Salut. Bonsoir Frédéric. Je veux juste rectifier la déception que certaines personnes traversent actuellement. Je sais que certaines personnes regardent le match, hein, mais le match ne va pas me donner l'argent. Donc, je ne pense pas que si le PSG gagne, moi, de l'argent. Excusez ma vie. J'ai certaines personnes qui sont tombées sur mes vidéos, ça fait quelque temps. Et vous pensiez que la petite adrénaline que vous avez sentie en m'écoutant parler, c'était tout ce dont vous aviez besoin pour casser, briser les barrières qui vous retiennent. Donc vous êtes un peu enjaillé là, ouais. Pendant 2 mois, 2 petits mois, tu pries. Tu payes ta dîme. Tu donnes aux orphelins. Et après, tu te tournes vers... Bonjour, oh ma mère Hollande, comment tu vas? Après, tu te tournes vers la reine Jocelyne. Tu dis, mais je crois que tu allais faire quelque chose. Et là, tu as envie de repartir ailleurs. Ouais. Ouais. La reine Jocelyne ne racontait que du booba. Ouais. Je l'ai contactée. J'ai cru qu'elle allait, elle allait s'asseoir avec moi 1 heure par jour pour m'écouter. Ça ne s'est pas fait. Je suis déçue. Écoutez. Il faut que la vidéo s'y casse ta tête, ça entre dans ton cerveau. Ça te sort de ton lit cette nuit à 3 heures. La bénédiction ne vient pas de moi. Ton destin est dans ta main. C'est que vous aimez trop. Vous aimez trop. Pensez que c'est une autre personne qui va changer votre vie. Ah oui, je vais vous décevoir ce soir. Oui, je vais vous décevoir ce soir. Ça marche, ça arrive même. Décevoir ce soir. Oui. Depuis 10 ans, tu as pour rêve de lancer ta... Tu as même d'acheter la marchandise. Tu as d'ailleurs le site d'AliExpress où tu vas commander les habits pour vendre. Tu as allé à tout. Tu as pris le crédit de 15 000 euros à la banque pour faire. Tu tombes sur mes vidéos, tu dis, yeah, c'est ça. Tu m'écoutes fidèlement, ouais, ouais, 1 mois, 2 mois. Après, tu te dis, je croyais qu'elle allait me donner... Quand je fais les ateliers ou les séminaires, je vous dis toujours, dès que vous arrivez, je vous dis, si vous êtes venu voir quelqu'un avec les longs cheveux blonds, je suis africaine, voilà mes cheveux, voilà mes cheveux. Vous voyez mes cheveux, non? Vous voyez mes cheveux? Je suis africaine. Vous n'allez pas voir les lace wigs sur ma tête. Si vous êtes venu voir le make-up et les talons pour vous impressionner, je suis des oh oh oh. Allez chez Lady Sonia, je vous en prie. Allez là-bas. You know, go find it here. Je vous dis toujours, même le dernier séminaire qu'on avait fait, c'était le 40e, le 25 je pense. J'ai d'abord donné le labellisement au départ, au début. Que je ne suis pas là pour vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Je vais vous dire ce que vous connaissez déjà. Je vais vous dire ce qui est déjà dans vous. Écoutez bien.
Ça va vous éviter la dépendance spirituelle. Ali Yassine, Ali a qui dit que je n'arrive pas à m'en sortir avec les larmes. On ne pleure pas sur ma page, mamie. Si tu veux pleurer, tu sors, tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes, tu rentres. Tu reviens ici dedans. Je vais très bien, Adama. Vous devez comprendre qu'il n'y a que vous. Vous qui détenez la clé de votre propre vie. Je reste, Dieu m'inspire, il me donne les idées. Il me dit, va leur dire ça. Si Dieu me dit quelque chose, il vient te dire. Et il te dit quelque chose que tu ne peux pas dire à tes gens. Écoutez, ma chérie, tu ne vas pas avancer. Parce que tu connais ce que tu dois faire, mais tu ne sais, tu ne fais pas. Je vous dis ici, lave-toi avec le sel. Lave-toi avec le pipi. Pisse dans le verre. Pisse, tu pisses d'abord la moitié dans le pot. Tu pisses l'autre moitié dans le seau. Ou tu pisses la moitié dans le seau, après tu mets le reste dans le pot. Ou tu pisses tout dans le seau, après tu verses la moitié dans le pot. Fais comme tu veux, il y a pot et seau sur ça. Supposons que tu ne veux pas utiliser ton verre. Pisse dans le seau, après tu verses la moitié dans le pot. Tu remplis maintenant, tu mets de l'eau, 3 litres d'eau dedans. Tu mets le sel dedans, tu te laves avec. Votre problème, c'est la paresse intense dans laquelle vous êtes. Vous êtes très paresseux. Vous êtes très paresseux. Vous savez pourquoi TikTok est sucré? Parce que tu n'as même pas besoin de faire des recherches sur TikTok. Tu te couches comme ça, là, comme une femme qui fait l'amour avec un homme. Vous connaissez les femmes paresseuses là, non? Il n'y a que les femmes du centre au pays, là-bas, il n'y a que les femmes du centre qui bougent un peu. C'est comme les femmes américaines dans le lit. Tu sais, moi, couchons ça. Là. TikTok vient te donner. TikTok vient. Tu ne fais même pas les recherches. Très peu d'entre vous, vous faites les recherches sur TikTok. Très peu. Très peu. Parce que vous êtes paresseux. Vous allez même tomber dans ma vidéo, vous allez me regarder et dire, ah, qu'est-ce que ça fait, City? Valérie, bonjour. Merci pour ta fleur. Je te bénis. Je te redonne cela. Tu es généreux, tu connais donner. Tu connais. Tu sais ce que je t'apporte là, tu sais ce que ça te fait. Vous aimez qu'on prend tout, on écrase. Même qu'on écrase, il faut mâcher. Même qu'on mâche, il faut avaler. Donc tu fais en fait qu'on met le tube dans tes veines. Tu te couches. Ça quitte seulement de l'appareil, ça entre dans ton corps. Ça entre dans ton corps. Et tu crois que ça va entrer dans ton corps, ça va te donner l'argent. Tu vas te lever le matin comme ça, là, tu vas voir l'argent dans ta main. Yeah, man. Vous entendez les gens, non? Ils sont en train de voir le match. Le match est venu les trouver, non? Combien d'entre vous pouvez rester debout à 21h parce que vous êtes en train de travailler sur un business que vous voulez lancer demain? Combien? Vous aimez la facilité, moi je vous dis roha. Je vous dis roha. Ça ne te plaît pas, hein? Va regarder le match. T'inquiète pas, va regarder le match. Tu vas finir le match, tu vas me dire si tu auras reçu quelque chose dans ta tête. Le truc, c'est que tout est en vous. Les 3 idées qui vont te rendre milliardaire. Tu les as déjà reçus. Tu as commencé un peu. Tu t'es dit que c'est la reine Jocelyne qui allait tout faire pour toi. Je viens t'assister, je dis Amen. Tu dis je dis Amen. Tu viens avec ton Dieu, je dis Amen. Tu apportes ta dîme. Même pour la dîme, je ne prie pas pour toi. Tu viens avec ta dîme. Je vous ai déjà appris comment prier pour quand vous me donnez votre dîme. Vous connaissez déjà. Seigneur, comme je suis en train de s'aimer cette dîme, j'apporte à la maison du trésor ma dîme. Et je déclare que comme je viens apporter à la maison du trésor, Seigneur, j'ouvre la bénédiction sur moi en abondance. Tu sais maintenant tout ce que tu bénis. Le business ou la personne qui t'a donné cet argent, tu rebénis encore la personne. J'ouvre les écluses et les cieux sur moi pour avoir des idées, des financements, des clients, les ventes. Et je multiplie ce que je sème par 1000. Et je reçois ça dans les jours qui viennent. Pas dans les années, les jours.
Au nom de Jésus. Toi-même, tu dis Amen. Tu viens, moi, je dis aussi Amen. La Bible dit que le Seigneur va bénir les œuvres de tes mains. Ça veut dire que tu vas t'élever pour faire quelque chose. Je suis franche, Yann, je suis franche, ou c'est Ariel, je suis franche parce que moi, il n'est pour moi rien à gagner ni rien à perdre. Il y a mon argent. C'est vrai qu'elle ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Vous vous seriez dit, mais attends, si elle avait l'argent, elle aurait une brésilienne, je sais pas, elle aurait des longs ongles. Quand j'ai compris, j'ai compris Max du Québec. J'ai compris Max du Québec. Même Homer Simpson, je l'ai compris. Vous avez vu la garde-robe de Homer Simpson? Nos stress dans la tête, on ne réfléchit pas. À moins que ton vêtement ne fasse partie de tes produits. À moins que tu le fasses dans la mode. Même dans ce cas, c'est les, je crée, je mèche mes mannequins. Je n'ai pas le temps d'aller mèche mes mannequins. Allez voir Kanye West, non? Vous voulez compter l'argent de Kanye West? Maintenant, vous devez comprendre ceci. Chaque fois que votre vie descend, ou l'énergie baisse, il n'y a que toi qui as le pouvoir. Je peux vous motiver, mes idées entrent dans votre tête. Mais je ne vais jamais mettre ma main dans le téléphone, je viens agir pour toi. Écoutez bien. Ça peut laver votre cerveau cette nuit-ci là. Régner, les hommes ne laissent pas lorsqu'on atteint un certain niveau. C'est juste que le pauvre aime trop montrer qu'il a l'argent, alors qu'il n'a pas. Le pauvre aime trop montrer qu'il a l'argent. Enfin, il n'y en a même pas, tu vois. Quand tu es pauvre, ton argent doit aller pour investir. Et plus tu t'enrichis, tout l'argent que j'ai investi, je ne veux pas vous dire. Ouais, Seigneur. Par mois ou tous les deux, trois mois, je ne peux pas vous dire ce qu'il prend pour me faire plaisir. Parce que quand tu investis, ça devient sucré. Tu es comme dans un jeu de je ne sais pas. Oh, je voulais, j'ai toujours voulu faire tel. Vous serez surpris du nombre de business qu'il y a dans votre tête. Oh, j'avais toujours voulu faire dans les make-up. Deux semaines plus tard, tu as lancé ta marque de make-up. Oh, j'avais toujours voulu faire dans les chaussures. Sept jours plus tard, tu as pris le local, tu as payé un an ou deux, trois ans. Tu es déjà parti en Chine, tu as commandé même. Ouais. L'argent donne la. Ça donne leverage, ça donne la facilité. Et c'est dès le départ. Je m'appelle en 2014. Elle commençait. En fait, j'ai commencé en 2011. 12, je coiffais. 13, je coiffais. Je vendais aussi les caramels et les croquettes. 14, j'ai commencé à prendre, j'investissais. Je prenais les maisons. Même vous, à ce moment-ci, il y a une de mes filles qui m'a contacté aujourd'hui. Elle me dit, mes vidéos l'ont encouragé à prendre des crédits immobiliers. Elle prend des maisons, elle retape. Et elle est loue, plus chère que ce qu'elle a acheté. Ce qui fait que ça rembourse rapidement le crédit. J'ai une autre à Paris, elle me dit, voilà, elle a deux maisons. Depuis quelques deux mois, elle fait que me dit, oh, je n'ai pas l'argent, j'ai besoin de couvrir mes découvertes. Alors que la bonne dame a trois maisons en France. Évidemment, une maison, deux maisons sont là. Un jour, c'est là, elle dit, mais je peux me faire le Airbnb là-bas, non. Les idées. J'ai envie de vous gifler sur la tête que yay. Tu n'as pas le sang bamiléké en toi. Venez, je vous donne l'onction bamiléké. Je vous donne l'onction bamiléké. Prenez, recevez. Recevez. Amen. L'onction bamiléké, tu penses toujours à l'argent. Tu es toujours en train de calculer dans ta tête. Un gars, les dragues là, moi, ils ne sont même pas sur ça. Tu vas savoir que, like, you know, I'm not even interested. J'ai rencontré mon gars qui est parti. Un jour en passant, je ne sais pas ce qui a passé. Je suis partie que je vais me coiffer. C'est comme ça qu'elle est rencontrée. Parce que je suis 24 sur 24, je suis au bureau, à la maison. Même les fournisseurs, ce sont mes employés qui partent chercher leurs marchandises. Donc souvent quand on me prophétisait, je disais ça, on se disait que ah, je vais le rencontrer. Ouf. Je ne suis pas sur les sites de rencontre. Mes clients, même, je ne sors pas. Ça va se passer où? En 2014, quand j'avais mes sous, je peux dire que je suis partie sur peut-être 100 pounds. Et pour commencer les beignets, j'avais commencé les beignets, avant les beignets, avec 5 pounds. La farine à l'époque coûtait 85 pounds pour 1,5 kg à Lidl. J'ai acheté deux.
L'huile coûtait 1,18 £ à Lidl. Donc 85 fois 2, ça fait 1,70 plus 1,18, ça fait combien? Donc on se retrouve avec 3 pannes qu'on a déjà mis là-bas. Maintenant, le sucre, c'était 50 cents. 50 pence, il y a pence. Donc ça fait 3,50. Je me dis encore quoi? Parce que là, la farine avait déjà la levure. Ça veut dire que c'était avec 3,50 même que j'ai commencé. Donc je mettais la noix de muscade dedans, oui, oui. La noix de muscade me prenait peut-être même 50 centimes. Ouais. Je fais fruits les beignets que j'ai fait à 4 pounds là. Je crois que j'achetais 2 bouteilles d'huile. Ouais. 2 bouteilles d'huile de 1 litre et demi. De 1 litre. Ce qui fait que ça me faisait 2 pounds. Donc on peut dire 5,50 £. Je faisais fruits les beignets là, ça me donnait. Généralement, si je faisais à 5,50 £, je pouvais vendre les beignets là entre 25 et 30 pounds. Parfois, je maximisais parce que 1,5 kg, c'est quand même beaucoup. Ouais. 3 kg de farine quand tu fais frit. Parce que je vendais 3 beignets à 1 pound. 3 beignets à 1 pound, ouais. Et la farine de Lidl était très bonne. Donc, imagine, tu as 5. Vous, parce que je sais que vous allez me donner toutes les excuses. Et je n'avais pas les papiers. Je n'avais pas les papiers. Je faisais, je me balais, je me mettais dans les sachets là. Ou les petits sachets, non. Tu fais, tu attaches à la main. Au départ, j'attachais à la main. Je suis allé au marché du dimanche. Il y a un marché au Birmingham qu'on appelait Sunday Market. Au Sunday Market, j'étais parti cibler une machine. La machine là, tu déposes ça, ça colle la bouche du truc. La bouche du plastique. Voilà. Donc, supposons, tu as un plastique comme ça. Tu mets quelque chose dedans. Tu mets ça selle. J'avais ciblé la machine, ça coûtait 30 pounds. J'ai commencé avec mes 5 pounds d'abord. Je vends la première vague, ça me donne 35 pounds. Je prends maintenant peut-être 9 pounds. J'achète les plastiques, je scelle, j'attache avec mes mains encore. Je mets dans le sac. Les premiers jours, je passais dans les salons de coiffure, il y avait beaucoup de Nigériens. Et les Nigériens aiment ça, ils appellent ça pof pof. Je passe, je marche avec mon sac comme ça. Good morning, yes. C'est que le matin, quand tu sors de la maison pour aller coiffer, tu n'as pas généralement. Et ces gens-là, généralement, ils aimaient bien le genre de nous. Parce que quand ils faisaient les beignets, là, je mettais le lait dedans. Ah, ajoutez à la recette le lait, s'il vous plaît. Je peux vous donner ma recette d'un jouet. Ajoutez le lait. Ça fait peut-être 5 pounds, 80 ou bien 90. Ou bien, supposons 6 pounds. Ouais. Donc, quand je faisais mes beignets, c'était pas comme les beignets soufflés parce que je ne mettais pas les œufs. Mais ils pouvaient acheter ça le matin. Ils mangent ça le jour là ou même le lendemain encore. Parce qu'en Angleterre, il faisait froid. Donc, en hiver, tu peux garder ça 3 jours. Donc, il dit que quand il mange ça le matin, imagine si tu manges le matin, tu achètes quelque chose peut-être à 3 pounds. À midi, tu manges un peu. Le soir, tu manges un peu. Le lendemain, tu prends au petit déjeuner. Donc, je marchais dans les magasins, dans les salons de coiffure africains. Je dis, oh, do you want le premier. Généralement, quand je faisais, je mettais un sachet, je mettais beaucoup. Je ne scellais pas. J'arrive et te propose un. Je sais que si tu déposes mon beignet dans ta bouche, que tu vas acheter. Vous pleurez trop la famille. Vous dites, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et quand quelqu'un voit une autre personne qui se débrouille, la personne va respecter parce que tu es en train de hustle. Parce que tu te cherches. Tu n'es pas venu en train de faire la mignonne. Yeah, hi. Yeah, I'm just looking for. I'm looking for a barber. Can you help me, please? Oh, thank you. Oh, elle veut qu'on la drague. Quand tu approches. Vous me voyez comme je suis belle là, je peux séduire. Mais quand elle t'approche pour le business, même si tu avais n'importe quelle intention dans ta tête, ça va d'abord mourir. C'est après peut-être même 2 ans que tu vas me dire que tu sais, est-ce que c'est qu'au départ là, il voulait te draguer? Mais tu m'as refroidi. Parce que ma tête est sur mon agent. Ma tête est sur mon agent. Et c'est ça qui vous manque. Tu es là, tu es assise comme ça. Les gens sont en train de voir le match dans ton coin là-bas, non? Si tu faisais les beignets le soir, si tu partais là-bas vendre, tu crois que les gens n'avaient pas acheté? Hein? Ceux qui vont avoir l'argent sont ceux qui vont saisir les opportunités. Écoutez bien. Greg, hi. Quand tu vas rester comme ça, tu vas voir. Oh, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai prospéré pendant le corona. Oh, corona, you did me good. You did me good, thank you, Jesus. Pendant le corona commence. Le Seigneur me dit, va à l'orphelinat enseigner. Vous connaissez l'orphelinat là, je vous ai fait le direct l'autre jour.
Je dis, Seigneur, parce que les enfants ne partaient pas à l'école, tout le monde était à la maison. Je dis, ok, Seigneur, je m'engage. Chaque samedi, je pars là-bas pendant 3 heures de temps. J'enseigne. Premier samedi, je pars. Je sors de là, je sens l'onction sur moi. Le Seigneur me donne les idées. Ok, tu vas créer une école où tu vas enseigner aux enfants, tu vas... Vous croyez que j'ai eu l'idée de l'école que je faisais pour l'école de vacances, j'ai eu l'idée de ça comment? Deuxième samedi, je pars. Le Seigneur me donne les idées. Troisième samedi, après mon troisième mois, en partant à l'orphelinat, j'avais déjà ouvert l'école. Et je vivais dans une chambre, un salon, au carrefour maçon, avec ma fille. On dormait dans la chambre. Et le petit salon, parce que je payais à 75 000. Parce que c'était en bordure de route. Donc, j'avais décidé que je vais recevoir les enfants au salon. Donc, quand ils arrivaient, je fermais seulement bien la chambre. Si vous saviez comment, en l'espace de 5 mois, je suis quitté de cette chambre. J'ai pris un local que je payais à 150 000, seulement pour le business, s'il vous plaît. Je suis quitté de ma maison et mon business que je payais les deux loyers combinés à 75 000. En l'espace de 2 mois et demi, j'ai économisé 1 million 7. Oh Seigneur, vous me simplifiez. Ça, c'était en 2020. J'ai économisé 1 million 7. Je suis parti prendre le local. J'ai meublé le local. J'ai acheté les appareils. Ceux qui me connaissaient, vous étiez sur ma page sinon. Le truc avec ma page de Guy Digassier, TikTok, c'est encore un peu nouveau. TikTok encore un peu nouveau. Mais ceux de Facebook, vous allez connaître mon t-shirt, tu vois mon éternel t-shirt bleu. Et quand je regardais, j'observe, je dis qu'on a besoin de quoi maintenant? Telle chose. Je reste et dis à mon staff que voilà mon objectif maintenant. 7, 8, 10 jours, tac, on a acheté. Tu économises. Tu achètes. Si tu sais que j'ai besoin de l'appareil qui fait les classes, parce qu'il fait chaud à Douala, l'appareil va coûter combien? Ok, il faut 300 000. Je dis au pif, je n'ai pas encore fait dans les classes, donc je saurais vous dire. D'accord, chaque semaine. Et quand tu as un projet, une vision, c'est la vision qui appelle l'argent. Ce n'est pas l'argent qui appelle la vision. C'est votre problème. Quand j'aurai l'argent, aussi, ou le gars l'a chanté ou quoi comme ça, là. Quand j'aurai l'argent, au lieu de dire que je vais investir, je vais construire, il dit qu'il va appeler, Seigneur, aussi je te bénis, bye. C'est l'argent qui est appelé par ta vision. Donc tu restes, tu dis, pourquoi il n'y a pas d'hôtel? Pourquoi? Attends, je serai la première Camerounaise à faire l'hôtel à Libreville. Écoute-moi, tu as déclenché le processus. Que cet argent vienne à toi. 1 an, 2 ans, 6 ans, mets le nombre de temps que tu veux. Garde ça dans ta vision. Continue de parler. Va dans les banques que tu demandes. Commence à économiser l'argent. Va faire les plans. Va voir un architecte, tu te demandes. Va voir dans un hôtel qu'on vient de construire, on est en train de construire. Demande à voir la personne qui est derrière le projet de cet hôtel-là. Mais monsieur, comment vous avez fait pour construire l'hôtel? Dites-moi. Généralement, c'est un petit monsieur avec un t-shirt comme ça. Un petit Libanais avec les sans confiance. Qui est derrière l'immeuble que tu vois qui a pris 500 millions de francs CFA. Je suis sûr que si tu le demandes, il aura quelques conseils qu'il peut te donner. Quand il te donne ça, absorbe. Oh, je ne peux pas vous dire le nombre de grandes personnes que j'ai. Ils m'ont donné leur CD, j'ai mis dans ma tête. Et que le moment venu, vous voyez mon t-shirt bleu, c'est le moment venu. Et quand tu as la capacité de créer à partir de rien, c'est comme une puissance. Je vous dis que les choisis et l'argent et la spiritualité sont un. Tu ne peux pas être vrai spirituel, tu es pauvre. On vous a mal enseigné à l'église. Oh, le Seigneur veut que tu sois humble. Tu sais, le Seigneur. Non, je refuse. I'm sorry, no. I said no. Junior, je n'ai pas changé. Je change pourquoi? Dieu veut que tu sois spirituelle, pas religieuse, spirituelle, et que tu sois abondamment riche.
C'est pour ça que dans tes rêves, tous les jours, tu le vois avec les rois, les princes, les stars. On te met les tapis rouges. Puis on te donne l'argent, on met le diamant sur toi. C'est ton droit de naissance. Maintenant, il y a des gens qui t'ont pris, t'ont parlé de Jésus, t'ont jeté Jésus comme c'était le fouet. Oh, oh là là, tu as été méchante. Oh là là, Jésus n'est pas content de ça. Quand on m'a prêché ce genre d'évangile, vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné tous mes habits, j'ai abandonné tout, j'ai tout jeté, je me sentais mal. Jésus ne veut pas que je sois riche. Jésus veut que je marche avec un long cabas qui touche le sol, je couvre mon mal, je me rase les cheveux. Jésus veut que je sois pauvre, je marche à pied, je prends le bus. Ça a fait mal, je reste comme ça, j'ai dit, mais... Je n'avais pas la politique de mes moyens, je n'avais pas les moyens de ma politique. J'ai commencé à dire que I'm gonna master this thing. Je vais maîtriser l'argent. Si mais qu'elle me lève et dit que argent vient. Comme le toutou là, comme le chien. Argent. J'ai acheté les chiens, je devais nommer un de mes chiens argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Money, un cap, ça allait bien donner. Argent vient. Je dois construire telle chose. Tu te couches, tu dors. 3 jours. Avant de te coucher, tu dis argent. Avant de te coucher, argent. Dans le rêve, ta mère qui est morte depuis 18 ans va venir. Elle va te pointer un truc comme ça là. Tu te tournes, tu regardes. Tu vois seulement peut-être comment tu mets les mèches sur les cheveux des gens. Les mèches. Elle te montre que vend les Brésiliens. Ou bien elle te montre comment tu es en train de découper les croquettes. Elle te montre que fait les croquettes en groupe. Je ne sais pas. Mais vous allez recevoir vos réponses. Le spirituel est connecté à l'argent. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez la pauvreté parce qu'on vous a lavé le cerveau. Donc comprenez que vous êtes sur ce chemin très seul. Je ne serai pas avec vous. On ne se rencontre que sur Facebook. Beaucoup d'entre vous, on ne se verra jamais physiquement. Jamais. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mais on ne va jamais se rencontrer. Donc tu es de ton côté, moi je suis de mon côté. Tout ce qui se passe, c'est l'échange spirituel qu'on a actuellement. Tout comme Gepi, les gens comme toi là que vous faites dans le bois, vous êtes trop chiche. Vous êtes chiche avec l'argent, on te dit donne l'argent pour faire le travail, tu ne veux pas. Tu as les contrats de 300 millions, on te dit donne 2 millions pour faire ton travail. Tu veux me tourner. Je ne travaille plus avec les gars qui vont dans le bois là, je ne travaille plus, je ne fais plus rien pour vous. Quittez. J'ai comme ça, un comme ça là récemment. Ah, le ministre a bloqué. Il dit que l'esprit a dit que tu peux faire le don dans un orphelinat. Il a fui, que non, ce n'est pas, je suis que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Il dit, c'est bien, tu as d'abord venu me voir pourquoi. Pas tu connaissais ta solution. Donc, continue ce qu'il disait. Je disais qu'on ne va jamais se rencontrer physiquement. Ce qui fait que, toi, tu vas m'écouter. Après, tu vas te coucher. Ta tête va commencer à réfléchir. Je ne sais pas pourquoi depuis 3 ans tu tournes avec ton idée que tu veux faire, tu ne mets jamais en pratique. Je ne sais pas. Tu dois tuer de ton cœur la peur de l'autre. Vous avez peur de faire les vidéos. Tu as peur de ton téléphone. Tu prends le téléphone, tu mets devant toi, tu ouvres la bouche, tu parles. Il y a quoi sur ça? Est-ce que vous savez que l'argent se trouve dans votre téléphone là? Est-ce que vous savez ça? TikTok que tu es là sur les joues sur ça. Et bon, club, bien. Alors encore, club, bien. Tu es là, tu ris. Après, tu dis, ah, c'est une vidéo. Tu regardes, tu ris. Ah. Le même TikTok là. Le même Facebook-ci. Chaque jour, il y a les gens sur ça qui se font de. Maman, TikTok a commencé à me donner l'argent. J'ai regardé, j'ai dit que, yay. Maman, Donc, dans ce cas, je comprends les Chinois qui font les directs de 6 heures de temps.
que c'est Verlaine dit que c'est pour les jeunes, que TikTok c'est pour les jeunes. Hein. Donnez les téléphones à vos enfants de 15 ans, de 12 ans. Vous allez voir l'argent qu'ils vont vous rapporter. Il y a l'argent sur TikTok. J'ai fait l'atelier qu'on a fait le 25. Et il y a eu un volet, j'avais donné trop de contenu dans cet atelier. Donc pour ceux qui sont intéressés, cet atelier est en vente. C'est 10 000 francs. Il devrait même mettre plus que ça. Donc, j'ai fait l'atelier et j'ai pris une section où j'ai parlé exclusivement de TikTok. Et dans la foule, on a des personnes qui disaient, voilà, je n'osais pas me lancer. Voilà. Écoutez, les réseaux sociaux, hein, c'est le B.A.B.A. C'est la base. Ceux qui sont derrière ton téléphone ont aussi peur. Comme tu as peur là, ils ont aussi peur. Mais seulement toi, tu as peur, mais tu fais. C'est ce qui doit te différencier d'eux. Quel que soit le service que tu fais dans n'importe quelle ville. Écoutez, avant tu devais venir, tu devais payer Facebook. C'est quoi que c'est même pour ça que c'est ça qui énerve un peu Facebook. TikTok est venu casser les pieds de Facebook. Tu es arrivé avant quelque part pour que les gens te voient et tu dois payer Facebook. Tu payes sa boîte et 50 dollars, sa boîte et 50 dollars. Ça dit qu'on a monté ta publicité à 100 000 personnes. Personne ne t'a même appelé. Oh, TikTok, c'est la chimamelu. Oh là là. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour TikTok. Il faut qu'on suce d'abord le lait de TikTok en attendant qu'un autre réseau vienne. Oh là là. Lancez-vous sur TikTok. Tu fais ta vidéo, tu mets le hashtag de ta ville. Oh Seigneur. Les affaires que tu vendais, les habits, les chaussures, tu étais coach de sport dans une ville, on ne te connaît pas, tu as deux clients. Alors que tes collègues ont les 200 clients, ils n'ont même pas le temps. Oh TikTok, je vous dis parce que je connais ce que c'est. Bon, j'ai aussi acheté aussi mon kit célébrité. Mon kit célébrité fait qu'on voit ta tête. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un kit que j'ai fait que j'appelle kit célébrité. Il y a une femme qui a fait le kit là, ça fait peut-être un mois et demi. Le jour où elle a commencé le kit, elle vend des produits qu'elle achetait en Asie. Elle dit qu'elle a fait le direct le jour là, elle a eu 250 000 vues. Elle était dépassée. Il dit que ma chérie, le kit c'est le putain de te monter les choses. Vous devez vaincre votre peur, vous n'avez pas le choix. Il y a même les gens que tu vois souvent en ligne. La personne n'en a rien de particulier. Tu dis, mais je suis plus belle que la fille sinon. J'ai les formes plus qu'elle, non. Il y a Kelly. Vous connaissez Kelly, non? Le temps de Kelly, j'avais aidé Kelly jusqu'à ma paix venue. Parfois, il passait sur la page de Kelly, je regarde, je dis, Kelly, regarde-moi la petite fille là. Regarde la petite fille. Maintenant, il y a le buzz. Le kit célébrité, c'est 55 000 francs au Cameroun. 55 000. Il y a le buzz. Et il y a les gens qui savent traduire le buzz en argent. Et vous devez apprendre à transformer parce que le buzz vient du fait que ton énergie est en train de s'élever. Comme là, par exemple, vous ne savez pas pourquoi vous êtes m'écouter, non? N'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas, je ne sais pas. Parce que j'ai une meilleure lumière, parce que je suis sur mon balcon ici, là, j'ai laissé mon ring light au bureau. Donc, je suis au balcon, je n'ai qu'une lumière normale là-bas. Je ne peux pas vous dire que j'ai mis la lumière, j'ai mis le rouge à lèvres. Mais c'est mon énergie que vous poursuivez. Donc quand ton énergie s'élève, c'est comme si tu étais en feu, comme si tu créais un feu. Et les gens vont vouloir regarder le feu. Quand ils viennent pour regarder le feu, tu leur demandes l'argent. Raise your energy. And it will attract people. And when they come, build them. Build them people. Build them, man. Vous savez combien vous payez pour me parler? Oh, chicha, chakara, basta. Vous faites que n'y comme ça. Vous me payez pour me parler, non? N'est-ce pas? Voilà. C'est mon énergie qui vous appelle, non? Vous passez votre temps sur les... vous parlez, chaque jour vous parlez. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un que donne-moi l'argent pour que je te conseille. C'est pour ça que tu t'essouffles, tu t'époumones chaque jour. J'ai un conseil, la fille s'est fatiguée. Tes conseils, ce n'est pas pour tout le monde, ma chérie.
On doit valoriser tes conseils. Quelqu'un ne veut pas valoriser. Tu lui dis, cheese, bye. C'est mieux que je me couche, je dors avec mon énergie. Quand il me réveille, mon énergie aura doublé. Oui. Ah ben, user, tu voulais me parler, tu tombes sur mon direct. Et le truc, c'est que tôt ou tard, vous allez devenir sur TikTok, que vous voulez ou pas. Les cours de spiritualité continuent, oui. Je peux dire que ça, c'est la dernière semaine pour prendre les gens. Donc, si après cette semaine, quelqu'un n'est pas rejoint le cours de spiritualité, je pense que je ne te prendrai plus. Oui, les cours de spiritualité continuent. Donc, hier, on a fait cours. Nous avons beaucoup de témoignages. Donc, contactez-nous, une bosse vous dit peut-être je veux rejoindre les cours de spiritualité ou bien je veux la formation pour les entrepreneurs. Oui, vous demandez juste ça. Ça, c'est pour lancer son business. Donc, quand votre énergie va s'élever, les gens vont venir. Quand ils viennent, n'ayez pas peur de convertir votre énergie en produit, en service. Produits et services. Je peux faire des recettes, je vous montre comment on peut pas le coquille, on peut pas ceci. Après, maintenant, je dis que je sors ma marque d'huile rouge, je vends. Je vous montre les astuces des choses chaque jour. Après, moi-même, j'ai composé les kits, je vends les kits et je fais les consultations. Bon, et d'autres produits encore, je fais les séminaires, les choses comme ça. Là. Donc, tôt ou tard, comme je disais, montez, vous descendez, vous allez créer un compte YouTube. Fuyez comme vous voulez, vous allez créer un compte TikTok. Même dans 5 ans, vous allez créer. Et quand je vois mon TikTok aujourd'hui, je me dis, si j'avais commencé TikTok depuis, je serais même à peut-être 1 million de followers. Donc ce que tu fuis là, tu vas croire, tu vas aller faire. Donc peut-être tu fais aujourd'hui, tu quittes ça. Merci beaucoup la reine Jessica. Autant mieux faire, tu quittes tout ça. Voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je crois que je vais faire un atelier dessus encore. Pour les réseaux sociaux. Comment se faire de l'argent sur les réseaux sociaux? Parce que ce que je vois, les gens rament beaucoup. Les gens me rament beaucoup. Ils créent leur compte. Parfois, je ne peux pas voir vos pages. Là. Quand vous likez mes trucs, je ne peux pas voir vos pages. Vous mettez trop de temps. Tu peux avoir 50 followers et par mois, tu as ton argent. Tu vis de tes 50 followers. Tu peux avoir pour une vidéo 50 vues. Mais sur les 50 vues, tu as 5 clients qui t'ont payé chacun peut-être 300 euros. Donc, ce n'est pas le nombre de vues. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont 50 000 vues, 1 million de vues, et ils vivent encore chez leurs parents. Parce qu'il n'y a pas l'idée, il n'y a pas la vision. Ouais, Seigneur, ils n'ont pas l'esprit parmi lesquels. J'ai l'onction de ça sur moi. I got the onction. Oh là là, Seigneur. Si vous pouviez voir les dollars dans mes yeux, si le CFA n'a même pas de signe, est-ce que vous imaginez? On a le signe de l'euro, le signe de dollar, on n'a pas pour le CFA. C'est qu'ils mettaient ça dans mes yeux. Je faisais ting, 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 ting. Partout où je me tourne, je regarde l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire? Soit je regarde quelqu'un qui est en train de se faire de l'argent et j'admire. Il y a une salle de sport à Bonamou, ça dit là, au parcours Vita. Je m'assois un jour là-bas. Je regarde là, je m'assois. Bouteille d'eau, Superman. Tanguy, là, 500. Alors que le prix d'achat, c'est 250 ou 275. Serviette obligatoire à l'entrée. Donc si tu oublies ta serviette à la maison, 1000 francs. Une séance, 1000 francs. Donc n'importe quoi, c'est seulement 1000 francs. 1000 francs. 500. 1000 francs. Je m'assois là-bas en une heure. Je vois presque 40 000 entrer dans la caisse de la personne. On me dit que ça, ce ne sont pas les heures de pointe. Il dit, ah, c'est une vidéo. Vous me connaissez, non? Je commence à faire ma calcul, ma plan. Ding, 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 ding. Ça veut dire que par jour, la femme, s'il se fait, ça me donne des idées. Moi aussi, si je fais un truc comme ça, là,
Si je fais un endroit, Seigneur, donne-moi une idée d'un endroit où je peux faire. Les gens arrivent, ils donnent facilement 1000 francs. Je peux avoir même 300 visiteurs par jour. Ou encore 400 visiteurs par jour. Et si on délocalise, on a même ça dans 3 provinces. Ou dans 4, même 10 provinces. 10 fois 300 000. Seigneur, voilà l'argent. Voilà comment on réfléchit. Pas déjà, ah, le gars là est beau. Hein. Hey, il m'a regardé. Hey. Attends, mes cheveux sont bien, mes cheveux sont bien. Ouais, ah, d'accord. Et il vient par ici. Attends, fais comme si tu me parlais. Fais comme si tu me parlais. Voilà deux jeunes filles de 25 ans devant un endroit. Une en train de regarder le gars qui la drague ou qu'elle va calculer son argent parce que c'est un benguiste. L'autre en train de regarder l'endroit. Waouh. Je me demande bien combien elle a payé pour investir ici là. Vous voyez? Tout se passe là-dedans. Et quelqu'un qui va réussir peut reconnaître quelqu'un. Non. Quelqu'un qui va réussir. Quelqu'un qui a réussi peut reconnaître quelqu'un qui va réussir. Ouais. Quelqu'un qui est déjà arrivé. Il peut voir quelqu'un qui va arriver et dire que la petite fille là, cherche-la dans 5 ans, tu verras. Cherche la fille dans 10 ans, tu vas voir ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas, mais il y a une étincelle dans ses yeux. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. She's smart. She's smart. She's smart. I like the girl. Yeah. J'ai dit tout le temps, ne soyez pas seulement belle et bête. Don't be just beautiful and dumb. Non. Sois belle. Quand tu ouvres la bouche pour parler, on dit, wow. C'est une belle fille comme ça qui parle comme ça. Jesus. Yes. On n'est pas seulement là pour impressionner les gens. Il va dire que j'ai les fesses de Kardashian. Hein? Il va voir. Ce sont les petites filles insolentes là. Les petites filles de 21 ans là, insolentes pour rien. C'est tout ce que vous connaissez là-bas. Je suis pas loin de l'aéroport, comme vous avez pu le constater. Certains parmi vous, vous avez toujours voulu voyager, d'aller de pays en pays. Ouais, d'aller. Je vais aller à Dubaï. Je vais aller à tel endroit. Je vais aller à Turquie. Je vais aller à Paris. Moi, j'ai toujours voulu ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était un truc. J'avais toujours su que j'allais finir par le faire. Donc, au départ de ma vie, quand j'étais dans la vingtaine, début de ma trentaine aussi, je suis tombée sur beaucoup d'opportunités où je côtoyais des gens qui faisaient ça, mais qui le faisaient à travers des vols. Pas les vols d'avion, bien sûr. Ils volaient l'argent. Et quand je les côtoyais avec mon sang chaud de la vingtaine là, je me disais, yeah, c'est bien. Mais quelque chose en moi me disait que tu seras riche. Je me rappelle même un jour, j'étais avec un de ces gars-là. On a eu des problèmes. Les gens, vous connaissez les gars qui volent les cartes là, non? Les gars qui volent les cartes là. Les cartes, les gars de Paris, non? Les petits gars de Paris qui font les tchatchala. Vous connaissez? J'étais un jour avec eux, on a eu un souci. J'ai dit, tu sais quoi, ah, c'était en 2017. Je sais que je serai célèbre. Donc, je ne veux pas gâter mon image maintenant. Il y a quelque chose en moi qui le savait. Donc, je me retire. Et bien sûr, ces personnes avec lesquelles j'ai failli dealer ont continué. 4 ans plus tard, on se voit. On se voit, mais il n'y a plus. Tu sens la différence d'énergie. Parce que j'ai travaillé pour légaliser. J'ai travaillé pour légaliser ce que j'avais en rêve.
Aujourd'hui, je peux aller n'importe où dans le monde, je m'achète, je paye mon hôtel, je décide même de vivre là-bas, chaque jour je dois à l'hôtel. Ça ne me dérange pas. Vanessa, ta soeur me connaît. Ah. Non, si ta soeur me connaît, c'est bon. Parce que moi, je suis comme un livre. Je ne casse pas mes choses aux gens. Je suis comme un livre ouvert. Toutes mes choses sont sur le net. Certaines personnes utilisent ça pour m'insulter. D'autres utilisent ça pour ça les inspire. Tant mieux pour eux. Tant mieux. J'ai toujours su que le jour où je vais mourir, des présidents vont envoyer leurs ambassadeurs ou des ministres vont venir à mon deuil. Parce qu'on m'a dit que la fille s'est fait quelque chose pour aider notre nation. La petite femme s'est fait quelque chose pour aider notre nation. Et c'est quelque chose qui se décide tôt. Tu décides ça. C'est un choix que tu fais. Et ce choix au début n'est pas facile. Parce qu'au début, tu vois la facilité d'argent. Je peux seulement sortir avec l'homme là, j'ai l'argent même. Mais oui. Je peux sortir avec. Mais oui. Tu pars, tu essayes, tu arrives, tu pars en boîte de nuit. L'esprit te dit, don't try it. Tu forces, mais vous arrivez à l'hôtel, sa femme appelle. Bébé, l'enfant est malade, il faut que tu rentres vite. Il te laisse à l'hôtel, il rentre. Oh Seigneur, j'ai les histoires. Non, ce n'est pas une histoire vécue. Hein? Ce n'est pas une histoire vécue là-bas. Ok, Vanessa, qu'on est amis. Hein? Ta soeur s'appelle comment? Dis-moi son nom, son prénom. Hein? Tu essaies ça une fois, tu forces. Tu essaies deux fois, tu forces. Finalement, l'esprit te dit, arrête. Les premières années, c'est difficile parce que on te prend pour une folle. Ta famille se moque de toi parce que tes cousines sont déjà mariées, tes cousines travaillent déjà, elles ont déjà les papiers, elles ont déjà ceci. Les grandes choses, j'ai écouté le proverbe du bambou de Chine, j'ai compris que j'avais opté pour être un bambou. Le bambou de Chine prend 5 ans pour grandir. Invisible dans la terre. Et Mireille, noire, costaud de... Bon, Mireille, dans quelle vie? Hein, Vanessa? Ou elle peut dire là où on s'est rencontrés? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était... Voilà. Le bambou de Chine reste 5 ans dans la terre. Après 5 ans, tu arroses chaque semaine. Rien ne se passe. Et puis un beau jour, chaque heure, le bambou te fait 2 inches. 2 inches, c'est ça toutes les heures. Toutes les heures, pap, toutes les heures, tap, toutes les heures, tac, tac. Donc en une journée, tu peux avoir ça carrément. Une journée de pouce. Alors que pendant 5 ans, tu n'avais rien. Ça veut dire que si tu fais une semaine, tu reviens, tu vas avoir quelque chose qui est peut-être comme trois étages. C'est pour ça que tu vas voir qu'à un moment, tu as tellement tu as fait tellement de business, ça n'a pas marché. Tu tombes sur ton business. Woyo, kolo, ho. En un an, on croit que tu es entré dans le femme là. On croit que tu es entré dans le femme là. Mais, la fille, si. Je vous ai parlé, j'ai une amie comme ça qui est venue me visiter l'autre jour. Je ne vais absolument pas donner les détails parce qu'elle va comprendre que c'est elle. Donc. Il y a une année quelconque, elle est venue me visiter. Elle est venue de l'Europe. Et quand elle est arrivée, on est allé dans un meublé. Le meublé était tellement beau, luxueux. J'ai regardé le meublé comme ça, j'ai dit, waouh. Soit je dois vivre dans le meublé, soit je dois vivre dans le coin du meublé ici. Quelques temps plus tard, je ne donnerai pas les détails parce que... Elle revient. Et la dernière fois, elle était venue là, j'étais assez fauchée, amochée, tu vois un peu, non? Le genre que je marchais à pied. Tu vois, tu arrives en retard, tu dis que mais c'est le taxi, que je n'arrivais pas à trouver le taxi pour rentrer. Ouais, c'est que tu es piton.
Et ce jour-là, il savait que j'avais loué. Ça me prend souvent. Hein. J'avais loué une fortune. Elle arrive. Quand elle est arrivée, franchement, on s'est rencontrés parce qu'elle garait à peine. Son oncle garait, je garais. Mon chauffeur garait. Elle va voir la voiture dans laquelle je sors. Elle dit, elle ne dit rien. On montait voir l'appartement. Elle ne dit rien. Elle s'atte. Elle reste 1 heure, 2 heures. Avant de partir, elle me demande que. L'année passée, tu ne vivais pas ici, non? Je ris. Je dis non. Elle dit, ah, c'est une vidéo. Il y a des gens qui savent que vous avez passé 10 ans. Vous avez hustle. Tantôt, tu es dans tel business. Oh. Quand tu fais, tu crées la page. Même tu as créé 50 pages en 2 jours. Tu crées la page, tu envoies à ta copine que like ma page, s'il te plaît. Elle fait aussi la solidarité, elle te like comme ça. Bon, quand on disait de partir à l'école, vous ne partiez pas, vous étiez à faire le business. De temps en temps, elle vient quand même, elle like 2 vidéos aussi comme ça pour te supporter. Et puis un beau jour, c'est comme si tu vois, c'est comme si on t'avait laissé à la ligne de départ depuis. Et eux, ils avaient avancé avec leur vie. Quand ils ont avancé, toi, tu regardais, tu dis, ah, maman, ils ont un mari. Oh, ils ont la nationalité. Voilà, encore même les papiers n'est pas. Oh, ils ont déjà ceci. Chaque jour, tu es en ligne, tu fais tel truc, tu fais les vidéos, oh, tu parles. Ta chaîne YouTube a toujours 500 abonnés depuis 2 ans. je peux vous dire, parce que j'ai traversé tout ça, hein, je peux vous dire. Tout ça, j'ai traversé. Tu as des amis qui disent, ouais, je suis chirurgienne maintenant. Voilà, Mireille qui est infirmière. Bon, Mireille, bonsoir. Comment tu vas, Mireille? Comment tu vas, Mireille? Et puis un beau jour, le Seigneur prend la fronde, il te prend sur la ligne de départ. Alors que les autres sont partis, ils ont commencé à courir depuis. Ils sont déjà loin. Ils tirent comme ça là. Et quand ils tirent, ils te ramènent encore en arrière, plus, 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 plus là. Tu es endetté. Après, ils te lâchent, boum! Les gens là restent comme ça. Ils te voient, ça va les dépasser comme ça là. Qui est passé là? C'est pas Jocelyne. Oh, le jour où on a mis ma vidéo sur le forum familial, je suis sortie de leur forum. C'est un membre de cette famille qui m'a dit qu'aujourd'hui, on a mis ta vidéo dans le forum familial. Hein? Ils ont dit, ils ont commenté. Et ça m'a dit qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'ils ont dit. I don't want to know. Parce qu'on t'avait déjà enterré, on t'avait écrasé, on t'avait déjà mis sur. Ah, pardon, elle là. Pardon, laissez ça. Pardon, si c'est pour elle, la laisser oublier. Suis ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce qu'avec un moment, donc en, comme ça là, tout aura du sens. It's all gonna make sense. Oh, j'ai envie de créer ça. Je vais ouvrir ma boutique à Paris. Oh, je vais faire ça. Oh, je... oh. Et quand tu penses, 2 jours plus tard, ça se met en place. Alors qu'avant, tu pensais, ça faisait 3 ans. Avant que tu voyais même un petit bout. Ça ne sera pas comme ça éternellement. No, never. 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 Dites un peu never avec l'accent. Never. Never. You know what I mean? C'est never. Never. I'm in Libreville. Je suis à Libreville des papis. Never. Never. La clé, c'est le travail. La vision. Nadège, je ne lis jamais tes messages, ok? Je ne lirai jamais tes messages. Amen. Amen. Ok. Dites never. Et j'ai bien précisé que la clé, tu dois garder ta vision. Tu ne dois pas laisser tes circonstances te décourager. Il y en a même parmi vous, vous devez recommencer à croire que vous pouvez vous marier avec un homme qui vous aime. Que vous pouvez tomber sur un homme. Vous devez recommencer à croire que vous aussi êtes heureuse dans le mariage à 45 ans. Je vous dis, roi. Et quand tu restes comme ça, là, avec un homme, tu n'as pas peur que peut-être il a 3 bureaux dehors.
Tu n'as pas peur que l'homme est là, ça... Non. Je vous dis. N'abandonnez pas. Crois encore, crois. Crois que tu peux, tu as 45 ans, non? Dans 4 ans, 3 ans, 4 ans, tu as une grosse maison. Tu as conçu même ton immeuble au pays. Écoutez, hein, c'est vous qui connaissez le temps. Dieu ne connaît pas le temps. Voilà, Nina, ton never, là, ça a vraiment l'accent anglais. Je peux lire never, never, yeah. You know what I mean? Like, never, 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 yeah. That's it, yeah. Dieu n'est pas bloqué par le temps. C'est toi qui es bloqué par le temps. Passons-y. Si tu avais 100 millions de francs CFA, je suis sûr que demain tu achèterais une maison. Ou même 300, mettons 300 millions de francs. Cash. Demain tu sors dans ton quartier, tu regardes. Je veux ta maison. Le père dit non, non, c'est cher. Moi, je vends ça à 150 millions. Tiens. Je t'assure, le même jour-là, le père là, va sortir ses choses de la maison. Il va te donner la clé. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'on vous a mis dans la tête que pour avoir la maison là, il te faut faire 25 ans, il te faut construire ça en 10 ans, il te faut... Tout, c'est la croyance. Et quand vous commencez à croire quelque chose qui est totalement différent de ce à quoi on vous a habitué, ne croyez pas que ça va se manifester le premier jour. Parce que tu es en train de changer, on appelle ça patterns of thinking. Thinking patterns. Voilà, Dieu t'a béni avec un homme en or. Hey, tu es mani. Oui, oui, Vanessa. Oui. Recevez votre part de jumeaux au nom de Jésus. Recevez vos jumeaux. 150 millions en euros, ça peut faire quoi? 220 millions. 220 000 euros, pardon. 220 000 euros. On vous a dit, voilà, pour acheter ta maison là-bas, tu as besoin de 10 ans, 15 ans. Tu peux te décider en 6 mois, tu achètes ta maison. Ou tu cotises même l'argent, tu pars, tu dis que, monsieur, c'est combien? C'est combien, monsieur? Vous savez, je crois qu'à Reims, les endroits comme Reims, comme ça, là, il y a des appartements à 70 000 euros. Tu prends 70 euros, tu tapes sur la table cash. Hein? L'argent là, c'est pas seulement pour certaines personnes. Vous aussi, vous pouvez avoir l'argent. L'argent n'est pas Dieu. Oh. Votre promesse, c'est que vous croyez que le premier jour que tu vas croire, tu vas parler, le soir, ça sera dans ta chambre. Garde la vision, maintiens la vision. Bon, qui a gagné le match? Apparemment, il y avait un match qui se jouait. Qui a gagné? Ouais, là, on parle d'argent. Vous êtes sur la tête et sur le match. Ou le match va vous donner l'argent. Bon. Ça va sucer votre énergie. Ya, yeah, ya, yeah. Non, pourquoi elle a fait ça? Oh! Et Dieu va te bénir avec un homme qui ne regarde pas le match au nom de Jésus. Je vais te bénir avec un homme qui ne regarde pas le match. Oh. Eh ouais. Merci, monsieur Ibrahim, pour tes fleurs. Le match a recommencé, je crois. Le match a recommencé. Je les entends crier. Les adeptes. Tu as un petit travail, tu as un terrain, ma chérie, c'est pas assez. Je discute avec vous, mamie. On discute de quoi? Dites-moi. Ça dépend, parce que quand je suis là aujourd'hui en mode motivation, c'est ça que. On va aller vouloir rentrer dans les rêves. Que mon rêve veut dire quoi? Bonsoir Jessica. Que c'est moi qui ai gagné. C'est Vérène ou bien? Vérène.
TikTok là, vous voulez parler pour dire quoi? Bon, on va prendre quelqu'un qui a donné les cœurs d'abord. Qui a donné les fleurs sur TikTok? Non, Rosanne, l'argent est facile à avoir. Yanga Décor dit que c'est ma page de même son passe-temps. Ibrahim, tu veux que je bénisse quoi pour toi? Tu m'as envoyé beaucoup de fleurs. Je bénis tes business et tes idées. Je déclare sur vous. Je déclare sur vous l'augmentation de vos finances. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Je viens vous libérer de l'emprise et de l'influence de l'ennemi. Je déclare que l'esprit de peur sort de vous ce soir au nom de Jésus. Écris encore avec ta photo, ma chérie. On va te mettre dans le groupe de prière. Ngetia, tu as déjà beaucoup regardé mes vidéos, tu as rêvé de moi. Donc on va voir Arnold Christopher. TikTok, là, vous avez bavardé beaucoup. Le truc avec TikTok, c'est que vous aimez trop la boule d'aventure. Vous aimez les diseuses de boule d'aventure, c'est ça mon boulot. C'est le commerce de qui dort. Il y a le kit commerce. Prends le kit commerce, tu l'utilises. Il y a le kit commerce. Bon, je vais juste prier pour les gens, ok? Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire à passer en vidéo avec quelqu'un sur Facebook. Prisca, tu n'as pas besoin de déclencheur. Mets-toi juste en route, tu commences. Ça va se passer. Quand tu dis déclencheur, ça veut dire que quelqu'un d'autre va venir encore faire quelque chose. Oui, mon numéro c'est le 00237. User qui demande comment devenir comme je suis. Il faut beaucoup d'échecs. Il ne faut pas avoir peur qu'on dise qu'on se moque de toi. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Ne pas avoir peur de recommencer. Ne pas avoir peur de recommencer. Tu tombes 50 fois. Tu échoues 50 fois. Tu essaies encore. On te brise le cœur jeudi, vendredi. Tu essaies encore. On vide ton magasin samedi. Lundi, tu as encore réaménagé le magasin. C'est comme ça qu'on devient comme moi. Moi là, hein. Il y a un gars là. Un jour, on s'est séparés. On se sépare. Je crois que c'était un samedi, supposons, je crois. On ne sait pas un journée. Le soir, il me trouve en train de faire le direct à 22h. La nuit, il m'appelle, il se fâche. Ça veut dire que tu ne m'aimais pas. Hein? Tu break up avec moi et à 22h tu as fait ton direct comme si de rien n'était. J'ai ri, j'ai dit que mon frère, tu ne me connais pas. Hein? Moi, mon frère, rien ne peut me faire perdre le sommeil. Mon agent, you're the lie. You're the lie. Tu as menti. Tu as menti, on t'a mal conseillé. Je vais dormir. Je me réveille et fais mon direct. Oui. Je ris dans mon direct. Et je suis heureuse. Les gens qui demandent l'astuce pour le visa là, vous n'avez même pas commencé à faire le sel. Le contact maintenant, ceux qui ont de quoi noter, 00237 680 71 07 01. Ouais, je croyais que je comptais pour toi. Et parfois, vous allez vouloir faire la compatissance ou c'est quoi là, où on appelle ça comment? Ah, tu veux compatir avec le gars? Non, ma chérie. Je suis en train de poster mes choses. Je suis sur mes statuts. Tu ne passes même pas sur mon statut. Genre, ouais, je pensais que tu m'aimais. Non, non, écoute bien. Le soir, là, je vais poster 50 statuts d'objets que je vends. 50 vidéos que je dis aux gens d'aller liker. Même pas de l'espace pour toi, genre, ouais, tu m'as déçu.
Je n'ai rien à te dire. On a tout dit. On s'est à tout dit. Parce que ça, c'est un des points faibles des femmes. Le cœur. Le cœur des femmes, là, vous aimez trop enlever l'os sur le cœur, là, je ne sais pas pourquoi. Votre cœur a besoin d'os. Comme ça, il ne peut pas tomber. L'os te permet de tenir, ça se met debout, ça marche. Ah, tu sais, je vais pas dire. Je vous veux. Beyoncé a chanté l'affaire. To the left, everything you own in the bank, to the left, in the closet, that's my stuff, yes, if I bought it, please don't touch. Aussitôt que tu es parti, tu es remplacé. Et c'est bien quand tu as l'argent parce que tu entres de façon lucide dans une relation. Tu en as la relation lucide avec la tête haute. Tu n'es pas aveuglé. Hey, il a payé mon loyer. Il a payé mon loyer. Oh bébé, je t'aime. Après, tu ouvres les yeux. Oh, oh, il a un gros ventre. Oh, oh my God, il ronfle la nuit. Yeah, je vais seulement supporter. Supporter, supporter. Te voilà. Elle a payé ton loyer. Elle a payé ton école. Quand tu es dans une relation avec la tête sur les épaules, tu peux bien juger les paramètres de la personne qui te drague. Même en te draguant, lui-même, il va faire attention. Le drague, il te paye le poisson. Tu vois le poisson dans le restaurant, on vend le poisson à 25 000 là. Tu n'osais jamais partir là-bas. Il te prend et ta mère. Oh, un jour, tu m'as fait ça. Il me prend. Ouais, j'ai mon entreprise. Il avait une grosse Mercedes. Comme le genre de Mercedes que j'ai maintenant. Ouais, tu vois. Ouais, on mange, on se met à la nuit. Ouais, mon entreprise est là-bas. Voilà mes bureaux. Ouais, je t'avais de manger. D'accord. Direction de la prison. Dans un restaurant privé. Il sort 150 000. Vous mangez 150 000. Je suis même en décrané avec ça. Écoutez la suite de mon histoire. 150 000, vous mangez. On a où c'est le caviar, si c'est le calumet, si c'est le calamar, si c'est le homard. Je sais qu'il y a marre sur ça. Et ça sort de la main. Il y a marre et ça sort de la main. Ça, tu casses. Hein? Tu suces. Vous finissez le rendez-vous. Vous partez. Tu vois, quand tu attends la fin du rendez-vous, tu dis, bon, voilà, j'ai mon petit problème de 50 000 là. Il te donne 5 000 que pour le taxi avec. Oh, Seigneur. Je dis, mais attends. Même si je dis, tu te fous de moi là. Tu te fous de moi là, hein? Tu te fous de moi? Tu vis à Denver, tu viens de bousiller 550 000 devant moi, là on a mangé, et après tu me donnes 5 000 francs. Parfois il me laisse aussi draguer par le genre de personnes, juste pour voir, j'ai de like, you know. Parfois il me fait comme si, il regarde aussi. Et ces personnes, c'est comme si elles tirent même leur énergie de ça. Elles ont de la jouissance à s'accompagner de quelqu'un. Ton physique lui plaît bien, voilà, ton énergie lui plaît. Il veut se faire plaisir et manger 200 000, il te met à côté de lui, vous mangez. Et à la fin, il sort pas ses 5 francs pour te donner. C'est pour ça que j'ai arrêté d'attendre les doux des hommes. C'est un truc, c'est une conjugaison que je ne sais pas. J'ai dit, I'm gonna make my own money. Il y a même les gens qui n'auraient jamais osé te draguer
si tu n'avais pas eu certains problèmes financiers. Genre, quelqu'un te regarde comme cela, il te respecte. Il te calcule depuis. Et tu le feintes toujours. Parce que tu es toujours dans tes styles. Ibrahim, je bénis ton voyage au nom de Jésus. Et puis un jour, je déclare que ton avion va bien décoller, ton avion va bien atterrir. Je déclare aussi que t'es, là où tu arrives, ton titre de séjour, tu vas l'obtenir sans souci. Tu ouvres tes portes dans le pays où tu vas, au nom de Jésus, amen. Tu dois verser de l'eau avant de partir et quand tu vas arriver, parle aux deux terres. Je sais dans mes vidéos, je sais que vous ne regardez pas, vous ne faites pas. Donc ce genre de personne n'aurait jamais osé venir avec toi te draguer. Maintenant, un jour, tu te retrouves dans une mauvaise situation. Tu n'as aucune autre issue que de demander à cette personne. Tu demandes, ah oui, je vais te donner, je te dérange pas, je te donne. Non, 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 non. Je me remets quand tu veux. Comme tu as pris l'argent de la personne là. Comme tu as pris l'argent de la personne là. Tu as payé en nature. Parce que ce sera un chantage émotionnel. Ah, tu sais, moi je t'ai aidé. Tous les jours, il va venir devant toi maintenant te parler parce qu'il t'a aidé. C'est pour ça qu'on dit, Beyoncé a dit que ta meilleure revanche, ce sont tes papiers. Papier, c'est quoi? C'est l'argent, tes billets. Il attend un autre agent. Il attend un agent là. Oui, j'avais 6 doigts. J'ai 2. Ma grand-mère a coupé mes 6. Elle a coupé le 6e. Donc le numéro c'est le 00237 680 71 0701. Voilà le numéro. Il y a des consultations sont payantes. Donc, soyez, gardez votre intégrité et votre fierté. Très important. Il y en a qui connaissent que quand ils couchent avec toi, vos ex là, les pères de vos enfants là, ils couchent avec toi, il obtient un contrat de 35 millions. Effectivement, Maëva, psychologie inversée. Tu te dis, ah, tu sais, tu me portes toujours chance. Hein. Chaque fois que j'ai un gros contrat et que je viens te voir, ça se passe toujours bien. Quelqu'un te dit au raki sur ton énergie, tu comprends tout. Merde. Oui, c'est vrai qu'on a refusé ta résidence là. Il faut que tu envoies l'argent, je te fais un travail. Tu as compris, pour la restauration de tes papiers. Tu as compris, ma chérie. Ne pleure pas, comment ça t'est lavable le sel? Tu m'envoies de l'argent, voire même 50 000. 50 plus le truc pour ton lavage à l'eau. Ça va faire 34. On voit 84 000 au Cameroun pour ça. Tu as compris, ma chérie. Oui, ce sont les gens spéciaux qui ont 6 doigts. Western Union, non, 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 pas Western, moi, Ria ou Monégram. Ria ou Monégram. Nyanga de quoi? Tu as dit que tu déclares la délivrance sur qui? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans ça. Et tu sais, c'est l'autre jour que je me suis rendu compte de ça parce que. Bon, ça fait quand même quelques semaines, moi. Un peu quoi. J'étais quelque part. Et j'ai vu les hommes qu'il y avait. On était dans une réunion, il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient assez de sous. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh. Je suis arrivé à un niveau où je regarde plus l'homme pour l'argent. C'est fou, hein? Je me suis dit, waouh. Il fut quelques semaines ou mois, non, je dirais quelques mois, ouais. Quand un homme avait déjà une situation financière stable, mon mental admirait quand même la personne. Genre, bon, voilà, tu vois, si le gars n'était pas marié, ben, juste parce qu'il a déjà une situation, tu aurais des. Tu vois un peu long.
Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, les femmes, nous sommes encore dans cet état. Fais de ça un objectif, ne plus dépendre mentalement et émotionnellement. Pour payer ta dîme, si tu dois envoyer ta dîme chez moi, tu dois faire par quoi? Par RIA. RIA. Ou bien Orange Money. Sur Orange Money, tu fais par 698 367 221. 698 367 221. Et après, tu pries dessus. Tu lis Malachie 3, verset 10. Tu parles sur ta dîme. Sur ma page TikTok et sur la page Facebook, il y a les vidéos pour la dîme. Ce que je vous dis là, ça influence beaucoup les pensées de beaucoup de femmes. Il y en a qui manquent de respect à leur mari parce que un homme quelconque dehors a plus d'argent que ce mari. Merci la reine Caron. Quand tu rêves que tu avais des stars, ça veut dire que tu auras beaucoup d'argent. Mais quand on dit que tu auras beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que ça va se passer seul. Il y a des choses que tu dois faire. Alors, si ça ne s'est pas encore passé, c'est parce que tu es bloqué. Si c'est la chanson qui devait te faire un jour rencontrer Rihanna, et que tu ne connais pas jouer d'un instrument, et que ta voix est comme une voix de crapaud, et que tu n'as jamais pris un coup de chanson, ni un coup d'instruments musicaux, tu vois que le premier déblocage que tu dois avoir, c'est d'avoir la volonté pour apprendre un de ces instruments. Pour qu'un jour, potentiellement, tu rencontres Rihanna dans un studio d'enregistrement. Extrêmement soumis. Oh là là. Bonjour Marie. Pour le bain de pipi, tu te laves d'abord normalement, tu te décrasses. Oui, tu peux commencer ta dîme par 500. Tu peux payer la dîme de 500. C'est pas de... Donc, tu peux. Tu te laves, savon, gel douche, tu enlèves toute la saleté. Après, tu mets ton pipi dans 3 litres d'eau, un peu de sel, tu pries dessus. Te débloquer pour restaurer ta chance, ta faveur. Tu verses sur toi et après tu ne t'essuies pas. Oh là 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 là, vous savez quoi? On va seulement se parler demain matin parce que vraiment, déjà le sommeil, c'est sans qu'elle ait bien. Le sommeil sera doux la nuit jusqu'à. Généralement, je ne vais pas me coucher sans avoir sommeil. Quand j'ai sommeil comme ça, avant d'aller me coucher, ça me plaît. Ça veut dire qu'elle va déguster le sommeil ici. Quand tu rêves, tu vois les personnalités, ça veut dire que tu vas devenir riche. Par la suite, avec Emma Lewis, c'est des célébrités, non? Bon, donnez-moi au sujet de prière. Oh là là, hey, Seigneur. Mon cher Lee, attends un peu, attends quelques minutes, mon cher Lee. Que prendre le café, je vous laisse pas. Je n'ai pas le café chez moi. C'est beaucoup d'énergie et vous ne pouvez pas savoir vos énergies là. Oh my God, c'est grave. Oh, yeah. Oh Jesus. Mince. Pierre Hervé, bonsoir. Angie, ton rêve où tu avais les lions dans une pièce, ça c'est l'élévation spirituelle. Quand Daniel était dans la pièce avant d'être élevé à un autre rang. Je devais prier pour qui? Je rejette le sommeil que vous lancez sur moi maintenant là, au nom de Jésus. T'abandonner à Dieu totalement, ça veut dire quoi ça? Je ne prie pas moi pour les choses comme ça. J'ai compris ma chérie. T'abandonner comment? Dieu veut que tu sois en santé, que tu marches, non? Que tu respires aussi. Tu veux t'abandonner comment? Je voulais seulement aller vous jeter. Oh Dieu, fais tout pour moi, je ne veux plus travailler. Morel, je bénis ton projet de voyage.
Au nom de Jésus, je déclare aussi quand tu vas arriver là-bas, je restaure et j'appelle à toi les bonnes collaborations et les bonnes personnes au nom de Jésus. Mira Wissen, you are shot in your dream. You are under spiritual attack. Start washing with salt. Abissou, bonsoir. Rose de Lima, je viens bénir ton voyage pour le Canada. Ta mère, je viens bénir ton... Je débloque ta vie au nom de Jésus. Une situation pro-bloquée. D'accord, je viens te débloquer, Kefren. Je débloque cette situation qui est bloquée au nom de Jésus. Si dans ton rêve tu t'envolais, ça veut dire que tu as les pouvoirs qui s'activent. Monica, tu demandes une entrée financière. Pourquoi tu ne demandes pas beaucoup d'entrées financières au nom de Jésus? L'oreille de la gloire, je libère ta carte de séjour au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous restaure. Rose, nous ouvrons les portes pour le Canada pour toi. Evelyne, enlève la paresse de ton corps. Je te libère de toute possession maléfique. Lolita, nous libérons ton visa au nom de Jésus. Oh, Jesus, Jesus. Michel le 2. Verse l'eau à terre. Prends le vin, tu verses sur la terre. Tu appelles le nom de la femme 3 fois. C'est qui a bloqué ton argent. Tu commandes qu'elle te donne ton argent, qu'elle te doit. Et tu demandes au Seigneur de prononcer son jugement contre elle. Et qu'il voit votre situation. Si dans ton cœur tu as fait du mal à cette femme-là, le jugement va revenir sur toi. Donc il faut faire attention avant de faire ce qu'il dit. Il y a un monsieur qui vient ici, il a voulu accuser son ex-femme. Oh, mon ex-femme était comme ça. Il dit que monsieur, ce que voilà, c'est toi qui as fait souffrir la femme là. Denise, nous venons débloquer tes papiers. Nous libérons tes idées. Nous appelons les personnes qui vont te donner ce titre de séjour. Nous les connectons avec toi. Au nom de Jésus. Dominique, nous déclarons que tu es élevé au rang de femme de pouvoir au nom de Jésus. On avait volé ton étoile, Dominique. On avait volé ton étoile, Dominique. Les gens qui disent que je dois aller dormir, je peux continuer encore jusqu'à même minuit. Hein. Moi, avec le pointage, oh. Il fut une période où je ne dormais presque pas. Et j'ai un de mes employés, là, il me dit, il arrive le matin, un jour, je l'entends dire à un de ses amis, il dit que il y a quelqu'un ici là qui me pousse seulement à travailler, que ma patronne. Tu arrives à 6 heures, elle te dit qu'elle est quittée du bureau à 3 heures. Et tu arrives à 6 heures, tu la trouves encore déjà au bureau. Mince. Elle te montre les vidéos qu'elle a fait dans la nuit, les consultations qu'elle a fait dans la nuit. Et mais ma patronne, tu travailles jusqu'à. Il dit que mon frère, je ne suis pas venu en bon voyage ici là. Je suis venu pointer. Les gens des États-Unis, vous connaissez de quoi je parle. Je suis venu pointer. Et tu m'en fous, je reste. Tu peux te rester debout cette nuit, tu pointes même 1 million. Est-ce que vous connaissez même ça? Pendant que tu es en train de dormir, quelqu'un fait 1 million de francs CFA. On n'est pas sur le même niveau. Ah, c'est un autre level. Eh, Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre leurs yeux qui voient l'argent. Il y a l'argent dehors. Oh. Les réseaux sociaux tournent 24 sur 24. Pendant que tu dors au Canada, quelqu'un est en train de se réveiller dans un autre pays. L'argent est partout. Allez en ligne. Si quelqu'un parmi vous en Europe, il veut se faire de l'argent, lancez les business en ligne. Le conseil. Conseil. Les écoutes des problèmes. Vous écoutez les problèmes des gens. Tu as essayé le lavage au sel, tu as vu un changement dans ton foyer, c'est super. Leïla, merci. Rostan, merci. Lily, merci pour les fleurs.
Marilyn, reçois ton titre de séjour au nom de Jésus. En fait, j'ai juste compris que mes choses, dans toute percée de ma vie, il y a la partie que je ne peux pas influencer. Il y a la partie que je peux influencer. Comme le direct, si je peux cliquer ici, la tic, j'arrête. Voilà ce que je peux influencer. Mais quand je mets le direct, le nombre de personnes qui vont passer, ça va, au hasard, ça se met devant eux. L'autre là, à un certain degré, je ne peux pas influencer, à un certain degré. Parce que si mon contenu est médiocre, les gens ne viennent pas. Donc vous voyez que quelque part, notre destinée n'est toujours pas seulement dans les mains de quelqu'un d'autre là-bas dehors. Il y a quelque chose qu'on peut contrôler. Vous êtes en train de m'écouter parce que j'ai décidé de laisser la caméra allumée. Donc arrêtez de tout donner. Tu peux être là, tu as besoin de 600 euros pour déménager. Pour aller prendre ta propre chambre. Tu vas dormir cette nuit, non? Pourquoi tu n'es pas debout en train de fabriquer les bracelets pour mettre en vente sur le bon coin? Hein? Nzoyou. Tu veux que t'insulte? Je t'insulte? Tu as compris, non? Il n'y a pas l'argent. Il y a... Oh, le cap, ha? Carré cap. Au carré cap, ha? Si, va te coucher, tu dors. Le pauvre sera en train de dormir. Allez dormir. Si tu es pauvre, tu ne dois pas te coucher pour dormir. Tu dors que tu dors quoi? Oh. Oh, mais tu sais, je n'ai pas 500 000 pour compléter ma pension. Et tu dors? Oui, je dors, non? Il est 21h30. J'ai fait aussi comme tout le monde. Tu crois qu'il y a les restos du cœur à Douala? Ils vont payer ta scolarité. Hein? Tu penses? Ton imbécile, ne sois pas bête. Clara, je débloque ton visa pour les États-Unis. Esther, prends celle qui veut tomber enceinte. Prends le kit de déblocage plus. J'ai une dame qui voulait tomber enceinte depuis des années. Denise, oh, Gua. Oui, là. Elle voulait tomber enceinte depuis. Elle a pris le kit de déblocage plus. Un mois et demi plus tard, la voilà enceinte. Vous ne pouvez pas vous permettre de dormir comme tout le monde. Vous connaissez combien de personnes comme moi à mon âge qui sont... Il est 21h30, 38. Le match est en train de se jouer. Je suis ici en train de vous parler comme une idiote. Je suis au pointage. Peut-être que vous ne connaissez pas. Je suis au pointage. Tu ne peux pas te permettre de dormir. Je suis TikTok. Demain, c'est toi qui demandes l'argent pour aller au village. Les réunions familiales, voilà la rentrée scolaire. Même donner un cahier aux enfants de la famille, tu n'as pas donné. Il n'est pas, il ne travaille pas. Tu n'as pas honte? Sauf à quoi? Ids, envoie la photo de ta mère. Je vais débloquer la situation de ta mère au tribunal. Une dame m'a contacté l'autre jour. Oh, mon père n'a pas de pension de retraite depuis 6 mois. On lave le père mercredi, jeudi, elle écrit, oh, mon père a eu sa pension. Votre problème, c'est que vous priez seulement, vous priez, vous ne faites rien. Si vous saviez que la spiritualité, ce n'est pas le hasard. Parce qu'à l'église, on vous a lavé le cerveau. Prie, tu attends quand le Seigneur veut. Même pour prier, il y a la façon de prier. Allez voir dans 1 Chronique, chapitre 29. Allez me lire tout le chapitre là. Vous allez voir comment David faisait les libations. Ils en vont faire les offrandes, on parle, on prie, on verse les choses au sol. Seigneur Dieu de la terre, prends, on verse, on dit, prends, mange. On tue les boucs, on dit Seigneur, oh. Où voilà, prie pour moi. On dit, tu vas prier, après tu vas dire, donne une offrande. Ah non, moi je donne l'offrande, pourquoi? Le spirituel, c'est pas de la blague.
Le spirituel, c'est un business. Quelqu'un m'a parlé une fois, il me dit, non, tu sais, quand tu parles de ton business, quand tu parles de la spiritualité, les gens croient que c'est le business. Je lui dis, hey, c'est un de mes conseillers, il me conseillait sur une de mes pages, voilà. Mais moi, ouais, franchement, je lui dis que, monsieur, je fais du business. Je suis cash, mais tout, vous tous qui me regardez, vous connaissez. Écris-moi, tu dis que tu veux me parler. Je vais te dire, paye-moi. Tu peux me payer pour que tu laisses. Parce que tout le monde a 24 heures, mais 24 heures sont précieuses. I value my time. Et si vous n'avez pas la mentalité là, si tu n'as pas dans ton mental que... Parce que quand tu vas perdre le temps à quelqu'un, tu ne payes pas la personne. Même si c'est gratuit, tu te dévalorises toi-même. Parce que tout ce que tu prends chez la personne, tu vas rien faire avec. Spirituel, c'est l'argent. Vous pensez pour parler de quoi? Tiens, vous ne mettez pas ça dans la tête. Allez voir les blancs, non? Les blancs médiums. Est-ce que tu peux parler à un médium comme ça là? Faut que tu le payes. Va voir quelqu'un qui fait le tarot, il lit les cartes. Tu le payes pour un service, il te lit les cartes. Va voir quelqu'un qui fait le Reiki. Le Reiki, c'est l'énergie là où il soigne avec les. Il met son... il fait passer sa main sur toi comme ça. Il prend les mauvaises énergies. Là où il voit, c'est saturé, il a la tension, il s'arrête. Il attend, ça absorbe la mauvaise énergie. C'est l'argent, paye-le. Hakabi. Chicha. Tu veux débloquer ton mariage, tu me payes. Oyoa. Tu me payes. Voilà. J'ai le mari d'une dame là, elle est venue au Cameroun faire son travail. Elle vit d'un pays quelconque. Je ne dirais même pas de quel pays. Parce qu'elle sait que c'est des sceptiques sont sur ma page. Elle arrive à faire son travail. Sa facture, une partie de sa facture, c'était dans le... Peut-être 1900 euros comme ça qu'elle devait payer avant de rentrer. Elle dit à son mari. Et son mari aussi, c'est un grand businessman. Voilà. La reine m'a donné la facture. Bon, je l'ai supplié si elle peut rentrer avant de payer. Son mari dit que quoi? Que j'aime la reine là parce que c'est une femme de business. Que paye son argent avant de partir. Avant qu'elle ne parte. Donc, quand elle était en train d'apporter ses choses pour l'aéroport là, j'ai reçu seulement la notification dans mon téléphone. Et 1900 euros, c'était 1800 ou 1900 euros, ça tient ton compte. C'est maintenant que les gens apprennent à accepter le spirituel, que le spirituel donne les sous. Genre, tu peux avoir des dons spirituels. Tony Robbins, il a un don. Tony Robbins, il te sort de n'importe quelle confusion. Tu viens à son séminaire, je ne sais pas ce que je veux. I don't know what I want to do. You know, I don't. Il te prend, il te shake comme ça. Il te remet en ordre. Voilà son don. Les gens payent les 5000 dollars par personne pour aller dans ces séminaires. Mais voilà. Quand tu vas accepter, tu vas payer pour quelqu'un. Quand toi-même, tu vas faire ta part, les gens vont aussi te payer. Et beaucoup d'entre vous sur ma page ici, vous avez les dons. Tu es infirmier, tu as les scènes chaque jour comme ça en tant qu'infirmier. Dès qu'on te paye, fin du mois, tu n'arrives même pas à mettre 400 euros de côté. Je vous connais, non? Je vous connais. Souvent, vous venez, vous voulez me faire manquer de respect, là, je vous dis. Vous faites partie des personnes qu'on paye le mieux là-bas en Europe. Infirmiers et médecins. Mais vous ne pouvez même pas vous amuser avec moi. Parce que je suis très simple, et c'est ça qui vous dérange souvent. C'est ça qui fait que vous voulez à la confusion un peu. Mais n'est pas la petite fille, là. Écoutez, venez en Afrique, viens au Cameroun, tu fais un mois. One month. Tu me dis, tu vas confirmer le rythme. Tout ce que tu économises en 2 ans, là, tu vas finir ça là-bas en un mois. Tu vas me dire. Mais viens à Libreville, fais un mois.
Ça a rentré travailler un mois. Bah, souvent, il sait que vous avez les manques de respect bizarres à la couverture. Je vous regarde sérieusement. Parce que chez le blanc, tu touches 4 500 € là. Ouais. Tu sais pas que mes cotisations tontinales mensuelles, c'est ton salaire. Tontinales, si ça se dit même, j'ai créé un nouveau mot. Oui. Le manque de respect n'est pas bien. Et quand je m'assois pour faire les vidéos aussi, je ne veux pas vous mentir. J'ai toujours désiré ne pas m'enrichir et monter seul. J'aime trop mes frères africains. Vous connaissez que depuis 2017 que je me mets pour faire les vidéos ici. Si tu écoutes ma vidéo de 2017, tu écoutes pour 2022. Mon discours n'a pas changé. Tu peux. Lève-toi, tu fais. Même dans 5 ans, quand je vais me mettre au-dessus de n'importe quel tour. Je vais me faire que de l'hélicoptère où je ne connais même pas où je serai sur la lune. J'aurais construit un immeuble sur la lune ou sur Mars. C'est le même discours que je vais vous tenir. La reine Denise, pardon, laisse. C'est que Facebook, parfois, quand tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux avec les gens, ils te regardent, ils se disent qu'elle a... On peut la cerner, non? Oh là là. Mais ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent, ça, ils m'écoutent. Parce que je suis là pour vous réveiller. On vous a endormi avec vos petits salaires, là. 1 500 €, 2 000 €. Oh, 2 500 €. On t'a endormi. Tu es dans le système. Tu ne sais pas. Tu es dans le système. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de faire 2 mois sans travailler. 3 mois, 4 mois. Non. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la CAF, tous ces gouvernements-là m'ont beaucoup rejeté quand j'étais en Europe. Mon nom passait difficilement dans leur système pour qu'on me donne l'argent. J'arrive quelque part. Mais tu as les papiers, non? Pourquoi ça peut... Tu es censé... Non. En Angleterre, ils appellent ça comment? HM Revenue. HM Revenue. Maman, le HM Revenue m'a rejeté en Angleterre. You know, oh, I'm sorry. We're unable to process your request. À un moment, je me suis dit que... Partage votre argent. J'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que je peux prospérer sans avoir l'argent du gouvernement? Après, j'ai augmenté une autre phrase sur ça. Comment prospérer sans avoir l'argent du gouvernement et d'un homme? Sans attendre du gouvernement et d'un homme? C'est là que ma vie a changé. Oh, quand je dis, je parle les choses comme ça, ça me plaît moi-même. Ma bouche me plaît. My mouth is sweet. My talk is final. Hmm. I talk sweet talk. My talk is sweet. Yes. Parce qu'on t'a bloqué, on t'a mis dans un coin. Si tu ne fais pas comme ça, on va te... Tu ne peux pas comme ça. Te voilà comme ça. Tu es comme ça. Demain, tu vas sortir à 5 h, non? N'est-ce pas? Tu vas aller donner les fesses des gens, non? Tu vas les nourrir. Tu vas porter la bouillie. Ah, John. Open your mouth, John. John, keep quiet. Is that nice? Ooh, the plane, plane. Open your mouth. Ah. Je connais parce que j'ai fait. Je connais parce que j'ai fait. Un jour, on m'a mis dans un service comme ça là. C'était le service de psychiatrie. Et je n'étais pas normalement dans le service là. J'ai travaillé à la c'était Aran Court en Angleterre. Et quand j'avais décroché le boulot là, ils m'ont donné un contrat, un CDI. Ah, ma copine, waouh, tout le monde cherche le CDI. Tu as eu le CDI. Ah, maman, il faut tout faire pour garder ça. Je regardais que donc ça, c'est ma prochaine maison pour les prochaines 10 ans. Quelque chose derrière moi, ça brûlait que non. That's not me. Anyway, bon voilà, je reste. 1 mois, premier salaire. Je vois 895 par mois. Parce qu'il coupait les taxes, il coupait les choses, il coupait les...
Je dis que c'est parce que tu viens de commencer. Dans peut-être 6 mois, ça va monter à 1100 pounds. Ça ne résonnait pas toujours bien dans ma tête. 1000 gros petit. Je reste comme ça là. Moi, j'ai toujours les longs yeux. Donc voilà, 1 mois, 2 mois passent. Une nuit, j'étais dans une aile où c'était les gens normaux qui étaient vieux. Tout le monde a toujours eu son baptême dans les maisons de repos. Hein. Je crois que vous connaissez. Allez, donnez-moi des cœurs si on vous a... si on vous a béni dans les maisons de repos. Un jour, une grand-mère me monte dans mes bras. Elle me regarde, je me fixe comme ça, la tenue dans mes bras. Elle me fixe comme ça là. Après, je sens l'esprit de mort qui vient là. Je dis, oh my God. Là, non, you know what? Je continue mon histoire. Le soir là, on était à court de staff. Maëva, je suis comédienne. Je vais bientôt lancer mes comédies. Ils me prennent avec une autre. On nous lance dans le service de psychiatrie. Pour les vieux fous. Ah, Jesus. Et vous savez que ces vieux-là ont leurs habitudes. Donc, ils connaissent qu'à telle heure je dois manger. Et quand tu rates une de ces habitudes, ils deviennent hystériques. Peut-être vous m'écoutez d'une maison de repos, je m'excuse, ok? Je suis désolée. Oh my God, I'm so sorry. Sorry, ok? On arrive de ce côté-là. J'attends, je crois qu'il y avait quelqu'un qui peut nous aider. Parce que quand tu es nouveau dans un service, s'il y a généralement un superviseur et puis on te met de pair avec quelqu'un qui connaît quand même l'attitude des gens que vous devez aller. La personne avec qui j'étais ne connaissait pas aussi. Oh! On a chié sur moi la nuit là-haut. On m'a griffé. Tu vois, quand tu chantes, tu vois, les pieds sont toujours durs comme ça là. Putain, je savais pas que j'avais encore ces souvenirs dans mon esprit. Ah! Tu fais la ronde à 12, à 22 heures. Tu regardes l'heure comme ça, tu dis que yeah, Seigneur, 5 heures va venir à quelle heure? Oh Seigneur, ça m'a traumatisé, je vous assure. Oh Seigneur. Oh. Voilà, il a fait chier sur tes mains, Kamé. Ou pas, on est comme ça, mais c'est pas marrant, hein. Denise, on va te baptiser. Laisse, on va te baptiser. Maman. Et le chambon a toujours une odeur bizarre. Là. Ça a toujours une odeur. Je vous assure, ça fait au moins. C'est depuis 2000. La dernière fois que j'ai fait ce genre de travail, c'était en 2000. Je n'ai pas fait ça en France. J'étais en France en 2017. Donc, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2016. Tu vois, quand tu arrives dans leur chambre, les pieds sont comme ça. Là. Voilà, parfois les mains même sont comme ça. Hein. Tu vas les tourner comme ça. Là. Tu es sur le dos. Parfois, ils ont chié. On n'a pas chié. C'est resté dans le dos comme ça. Là. Tu nettoies. Tu nettoies. Tu nettoies. Après, tu vois, les pieds sont comme ça. Là. Tu dis, open your legs. Open. Et tu devais watiser un peu comme eux. Tu vois, c'est pour ça que je sais appris ma part d'anglais. Open your legs. Open. Après, tu fais. Après, il envoie ses ongles comme ça pour te griffer. Il dit que même ma grand-mère au village, je ne faisais pas ça sur elle. Oui, on garde l'odeur longtemps, même quand on est arrivé chez soi. La nuit, là, elle. Je me rappelle, je vous assure, j'ai encore l'image de l'une d'entre elles dans le couloir, assise, à 3 heures. Et je suis là, j'ai envie de dormir. Parce que dans mon service, quand on les mettait au lit à 1 heure, on partait dormir. Donc, 1 heure, à 4h30, on pouvait dormir. Elle est dans le couloir. Elle est accrochée sur une truc comme ça. Leave me alone. J'ai dit, tu ne peux pas la taper. Tu ne peux pas la gronder. Vous savez, il y a des choses que j'ai vécues que j'ai dit que je dois réussir. Je dois, I must succeed. Parce que je n'ai pas le choix. Parce que quand ils voient ce dans quoi je peux rentrer, j'ai dit non. Thank you, but no thank you. Thanks, but no thanks.
on a fini le shift le jour-là. Ils arrivent le matin. Au lieu d'être peut-être 5 ou 6, on était 2. Et on ne connaissait pas les patients là. Oh Seigneur. Et c'était des patients qui étaient susceptibles d'avoir un caractère agressif. Oh Seigneur. Tu fais. Donc au lieu de finir la ronde peut-être à minuit 30, tu te retrouves, il est 2h30, tu es encore en train de faire. Tu vois, tu as sommeil jusqu'à le sommeil à faire genre. Quand ta collègue te parle à un moment, tu te rends compte qu'elle est en train de changer. Donc, quand tu es comme ça là, tu as arrêté sa couche et un de ses pieds comme ça là, tu as été somnolé. Après, tu dis, oh. Les affaires lamentables. Vous savez, on a des traumatismes on ne sait même pas qu'on a été traumatisé. C'est maintenant que j'en parle et je sens les sensations. Parfois, quelqu'un va me voir travailler. C'est un de mes employés. Souvent, je travaille jusqu'à 23h. Hein. Il y a des jours, j'arrive à 6h37, il me trouve, je suis déjà là. Je dis que vous ne pouvez pas comprendre. J'ai des choses que j'ai déjà vues. Et quand tu fais comme ça, tu finis le matin, tu rentres sous le froid. Et parfois quand je rentrais, je devais rentrer assez... Quand ils font ça, je priais que ma fille soit prête. Si bien que quand j'arrive à la maison, parce que je prenais généralement... les chiffres, c'était 20h, 8h. Donc tu fais 12 heures au boulot. Donc parfois, je pouvais un peu conduire quelqu'un et la personne me laissait finir à 7h. Je courais à la maison pour prendre l'enfant et je l'amène à l'école à 7h30. Tu arrives avec la fatigue. Dieu merci, Dieu m'a donné un enfant qui n'a jamais dérangé. Donc quand tu arrives à la maison, qu'elle avait déjà mis une chaussette d'un côté, elle avait mis la poudre sur son visage ici là parce qu'elle s'est habillée seule avant de t'attendre. Oui, donc tu arrangeais ce même peu. Vous connaissez, mais vous connaissez de quoi je parle. Quand je suis sortie de cet endroit le matin, j'ai mis Rihanna, une chanson de Rihanna, je ne sais même pas laquelle c'était. J'ai mis ça à mes oreilles, j'ai fait tum tum. C'était la chanson Work. Tum 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 tum. Ouais. Je m'appelle, j'étais en train de marcher. J'ai dit que je dois réussir, je ne veux plus rentrer dans ça. Parce que quand la manager est venue le matin, oh, we're sorry, you know, we just had some emergencies and we couldn't handle the stuff by ourselves, you know. So, ils viennent s'excuser et c'est tout. En fait, ta nuit qu'on a gâchée. En fait, oh. Je vous jure que je ne suis plus jamais revenue. Et j'étais en contrainte déterminée avec eux. Quelque chose dans mon âme a appelé que Dieu le Créateur, sors-moi de cette maison. J'arrive, je me couche, je dors. 10 heures, donc je fais 8 heures, 10 heures, 2 heures de temps de sommeil. Le téléphone sonne. Did you apply for work? Est-ce que tu as demandé le boulot quelque part? J'ai dit, je ne sais pas là où c'était. J'ai dit oui. Ok, on cherche quelqu'un qui peut être réceptionniste. Je ne voulais même pas savoir là où c'était. J'ai seulement dit oui. Me voilà. Ils me disent de venir à 13 heures. M'habille. Les odeurs, l'autre là, les odeurs, je vois le commentaire de quelqu'un ici, que quand tu as oublié, tu crois que tu as oublié les odeurs remontent. Même là comme ça, je peux me rappeler de l'odeur de ça, ça remonte. Et quand tu travailles avec l'agence, on t'envoie ici, on t'envoie là-bas, on t'envoie, ils te disent que non, c'est parce que tu n'as pas encore duré avec nous, et c'est pour ça qu'on t'envoie, tu es comme ça là. On t'appelle à 16h d'aller travailler à 20h. Donc tu es n'importe où, il faut que tu... Vous savez, l'argent il vient. Gapon. Donc voilà, je pars pour l'entretien à 13h. Moi, je m'étais habillée le jacques, même si c'était n'importe où. Donc j'avais une confiance en moi le jour-là. Parce que généralement, dans la nuit, les vidéos, c'est comme ça là. Les vidéos encourageantes. Parce que je n'avais pas encore de vidéos encourageantes sur le net. C'était en 2016. Les miennes sont arrivées en 2017. Donc j'écoutais les vidéos encourageantes de la nuit. Généralement, quand on les mettait au lit à 2h, de 2h généralement à 4h30, je m'asseyais, je me mets dans mes oreilles, je me fixe quelque part, j'écoute. Après un moment, on sent quelque chose, pouf, je dis que non, je dois faire quelque chose. J'arrive à l'entretien, la femme me voit, et j'avais un accent,
quand je parle anglais, j'en mange un accent français. You know, un accent un peu, like, I like your accent, you know. We're gonna hire you. I'm like, yeah, good. Et je dois commencer le lendemain à 8h. Je vous dis que je ne suis plus jamais reparti à la maison de repos. Je crois que quelque part, mon esprit, mon âme, je suis sûr que l'univers m'a entendu le jour-là. Parce que le travail qu'on me donnait, c'est seulement 3 semaines. Et le travail, là, me payait 9,50 de l'heure. L'autre travail me payait 6,50 de l'heure. Donc, je me suis tapé 3 semaines de travail et j'ai eu le salaire. J'ai eu au moins un mois plein de salaire que j'aurais pu avoir ailleurs, dans l'endroit là. Ouais. Je travaillais chez Range Rover. Les Anglais appellent ça Land Rover Jaguar. C'est la même chose à Birmingham, à Solihull. Donc, j'étais réceptionniste pendant 3 semaines. Oh my God. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'être belle. I just had to be pretty, you know. Sit down. You want some coffee? Oh, can I help you? Oh, thank you. Good morning, sir. I'm looking for something. Je devais juste être pretty. Oh, thank you, Maeva. Thank you. c'est là que j'ai vu comment les gens mangent l'argent. En fait, c'est là que j'ai vu que il y a les niveaux dans la vie. Pendant que tu te casses la nuit pour travailler dans la maison de repos de quelqu'un qui est en train de dormir, et l'argent entre dans ses poches. Un jour, il y a un couple qui m'a particulièrement marqué. Bon, le monsieur arrive avec sa femme un peu âgée. Oh, yeah, he wants to buy me a car. I don't know why, but, you know, I just can't make up my mind. Mamie, tu n'arrives pas à choisir la voiture. Hey, en fait, son mari voulait s'excuser de quelque chose. Et son mari voulait s'excuser d'un truc. Il voulait lui acheter la voiture. Je suis resté comme ça, il dit que... Hey, Seigneur, attends, il veut s'excuser, t'achètes la voiture de 60 000 pounds. Ah, ok, d'accord. Ok, allez-y, alors c'est votre argent, non? Allez-y. Pendant que vous souffrez, il y a un autre niveau qui fait mal. En fait, ça te fait mal, mais ça te fait comprendre. Je crois que c'est l'univers qui m'avait entendu. Je dois mettre ça dans mon livre qu'elle avait écrit, que c'est l'univers qui m'avait entendu. Pour me positionner dans un environnement où je pouvais voir les gens qui avaient directement l'argent. Tu vois, quelqu'un arrive et te dit, ouais, j'ai le modèle que j'ai acheté, ça fait 2 ans. Je voyage beaucoup, donc j'aime le confort. Donc, je vais acheter l'autre de 63 000 pounds. Et là, il arrive, il entre, il mesure, il fait ça. Je dis, mais my God, my God. Oh, je veux l'autre aussi, mais je veux que les sièges soient changés. Ouais, j'aime pas la couleur rouge. Monsieur, ça va faire 7 000 pounds en plus. Non, 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 vous dérangez pas, mettez sur la facture. Il dit, hein? Et c'était les gens les plus cool que j'avais rencontrés. They were very nice people. Très courtois. Qui se plaignent à peine. Qui a une légèreté, une facilité de vie. Quand ils entrent généralement, j'avais appris à ne pas sous-estimer quelqu'un qui passait la porte. Ça, on m'avait dit. Ne sous-estime pas quelqu'un qui entre. Parce que parfois, tu peux regarder quelqu'un, bon voilà, il est vieux, regardez, c'est un vieux. Alors qu'il peut te sortir 150 000 pounds là-bas pour acheter quelque chose. Ça m'a... Je pense que c'est de là que beaucoup de choses sont parties dans ma vie. Ouais. Ça, c'était en juin. En août, j'étais en train de lancer ma boîte de Gifting Academy. J'ai créé les Gifting Academy. Je ne sais pas là l'argent de ça est sorti. J'ai économisé, je ne sais même pas. Tout ce que c'est, ce que j'ai commencé à vivre comme une riche un peu. Une fois par semaine, je partais à Marks & Spencer, je m'asseyais au restaurant, je mangeais 2 fois plus que ce que je pouvais normalement acheter. J'ai commencé. J'ai payé aussi une coach. C'est la première fois que quelqu'un prenait 5 heures de sa vie. Je lui avais donné 1000 pounds à l'époque. Je m'en souviens encore parce que c'était le premier agent le plus fou. C'était mon devant derrière. J'ai porté et donné à la femme là. Mais c'est là que je ne me suis jamais senti aussi valorisée. Elle a passé 5 heures de sa vie
avec moi. On a parlé de... On a creusé dans ma vie. On a creusé les traumatismes d'enfance. Vous voyez tout ce que les noirs négligent. Et le pourquoi de ce que je voulais faire. C'est là que je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler un 9 to 5. Je ne voulais pas faire de 9 à 17 heures. C'est là que j'ai commencé à comprendre ma mission de vie. C'est là que j'ai compris que... même le mariage, par exemple. Parce que vous savez, à une certaine époque parfois de votre vie, ouais, marie-toi. Du coup, il y avait beaucoup de pression que je ne savais même pas qui pesait sur moi. Et beaucoup de choses qui influençaient ma vie. Je rappelle que je n'avais pas de papier. Non, quand j'ai pris la coach en 2016, je venais d'avoir les papiers. Oui, si je travaillais, j'avais déjà les papiers. Oui. Parce que les papiers, j'avais eu en Angleterre en 2015. Donc en 2016, quand j'ai pris la coach, j'avais déjà les papiers. Donc. Et quand j'ai passé 6 ans sans avoir de papier, on me disait toujours que quand tu auras les papiers, ah, ta vie va enfin commencer. Tu vas travailler, tu vas faire le care. Care, c'est aide-soignante. Quand j'ai eu mes papiers et j'ai fait le care pour un bout, quand je me suis assise avec la dame, je me suis rendu compte que je ne voulais... C'est ce que les gens voulaient pour moi. Ce n'est pas ce que moi-même je voulais pour moi. Je suis sortie de là, c'est comme si j'avais enlevé 50 tonnes de mon épaule. Et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à voyager. Au lieu de m'asseoir pour travailler pour quelqu'un, j'ai commencé à voyager. Je suis allée interviewer, j'ai cherché des entrepreneurs camerounais en Belgique. Comme ça, j'ai commencé à voyager Italie. J'ai quelques vidéos sur ma chaîne que j'ai enregistrées en 2016 et début 2017. Je faisais des interviews. D'ailleurs, je repensais récemment à recommencer à interviewer les gens. Parce que les histoires des gens me passionnent beaucoup. J'aime bien l'histoire. Parce que dans l'histoire de quelqu'un, tu vas comprendre que cette personne que tu simplifies, peut-être, tu vois, ah, c'est seulement quelqu'un qui parle du baratin. Mais quand tu vas voir que ça fait 15 ans que l'homme que tu vois devant toi, c'est depuis 15 ans qu'il se construit. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on apprend dans l'histoire de chaque personne. Ouais. Donc, voilà, je peux dire que voilà comment je suis sortie du train. Sans ça, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un. Ouais. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai bien sûr d'autres leçons que j'ai apprises. Genre, il n'y a personne pour te contrôler quand tu es seul, quand tu travailles pour toi-même. Malheureusement, il n'y a personne pour payer tes factures. Il n'y a personne pour te payer. Donc, tu dois te bouger pour que l'argent entre. Ça, c'est des choses que j'ai apprises. Et quand j'ai passé l'étape de comprendre que je dois me bouger, je suis arrivé à un niveau où j'ai compris que c'est moi qui détermine ce qui entre dans mes poches. Ce n'est plus mon patron parce que je n'en ai pas. Mais si je me bouge, ça entre. Je me bouge plus, ça entre plus. Je me bouge moins, ça entre moins. Oh, that's mastery. That's where you get to mastery side. C'est là que tu maîtrises la chose. Quand tu te lèves et tu dis, aujourd'hui je vais me faire 1 million. Aujourd'hui je vais faire 2 millions. Ça demande beaucoup de patience. Ça revient au début de ma vidéo. Armageddon Malachi. Jesus is Lord. What is the name that you chose like this? Who are you? Armageddon, c'est toi qui? Hein? Toi, c'est qui? Armageddon, bonsoir. Comme je disais, vous allez remarquer que quand vous arrivez à un certain niveau, certains ne sont pas encore arrivés, d'autres sont déjà. Je vous ai dit que je peux continuer comme ça jusqu'à 22, 24 heures. Vous croyez que je mens? Ne me sous-estimez pas. Je voulais dormir tout à l'heure. Vous n'avez que pas boire le café. Ma chérie, il y a le café dans mon sang. Il y a le café dans mon sang. Quand la caféine me voit, elle dit que non, elle est tombée dans la potion magique quand elle était petite. Je peux continuer comme ça là. Je peux encore finir ça. Je prends un séminaire. Je vous anime le séminaire de minuit jusqu'à 4 heures. C'est vous qui commandez tout. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne faire pour vous. Même ceux qui me côtoient personnellement. J'ai parfois des gens avec lesquels je travaille, ils s'attendent à ce que je fasse quelque chose. Je ne ferai rien pour toi, ma chérie. Tu m'as suivi, non? Parfois, j'ai eu des femmes que j'ai essayé un peu de genre. Ah, du coup, elle s'est dit, mais la reine Jocelyne va m'aider. Elle va donner l'argent. Parfois, je leur dis que tu crois que. Tu m'as déjà vu, tu dis que j'ai un oncle ou un tonton qui a porté 15 millions et est venu nous financer avec. Je crée mon argent.
I create my money. Là, là. Tu dois arrêter de dépendre sur les gens. Ah non, tu sais. Non, ce qui te discipline, hein, ce sont tes engagements. Quand tu connais que tu as le loyer à payer. J'ai même des engagements que j'ai souvent pris. Sur le coup de... Mais après, je me dis... Ah, je suis encore dans la réunion, là, j'ai pris deux noms. Eh, eh. Que un nom, c'est 2 millions. Ok. D'accord. D'accord. Après, tu arrives quelque part, tu vois quelque chose, ça te plaît. Madame, c'est 3 millions. Ok, je le prends. C'est pour ça que je vous dis toujours que moi, mais j'aime acheter des trucs de déco, j'aime les trucs de la maison. Je n'aime pas moi, les trucs sur le corps là, ça me dit pas trop. Peut-être un jour, je vais encore. Souvent, il y a des personnes sur ces vidéos, vous avez vu ma maison. Une de mes maisons, parce que j'ai plusieurs maisons. Parfois, je vous montre mes maisons. Parfois. Mais mon dada, vraiment, c'est des trucs de déco. Ouais. Les voitures, pas trop, parce que je me déplace beaucoup. Donc, si j'ai un véhicule quelque part, ça va pas trop me servir, parce que je vais finir, j'ai parti là-bas. Et mon véhicule de là-bas va me manquer. Donc. Mais j'aime bien quand je suis quelque part, si je peux pas dans un hôtel luxueux, j'aime bien quand je décore ma maison dans mon environnement, ça me plaît. Donc, vous devez prendre l'habitude d'élever. Le niveau s'élève par les engagements. Et quand il y a des engagements que tu prends, tu ne peux pas dormir. L'année passée, j'avais 12 enfants. Mais l'année, si j'en ai 25, ma chérie, tu ne peux pas dormir. Si tu pars te coucher, tu dors. Quelque chose ne va pas avec toi. Parfois, quand tu connais que le loyer, je dois payer le loyer dans 5 jours. Hey, mais c'est vite passé, hein. Ma chérie, les 4 prochaines nuits, tu ne vas pas dormir. Et c'est comme ça. Moi, personnellement, c'est ça. J'aime cette adrénaline-là. J'aime ça. J'aime ça. I like it. Fabienne, bonne nuit. Le stress est nécessaire. L'autre a dit, on gère le stress comment? Il y a des trucs sur l'argent qu'on vous a dit pour vous mentir. Genre, voilà, les riches ne sont pas stressés. Le stress, pour moi, c'est un motivateur. I love it. C'est comme de l'adrénaline, like. I just love it. Parce que tu te réveilles, tu n'as rien à faire. Tu te couches sur la table, tu es sur TikTok. Le stress, c'est une énergie que tu dois convertir. Comme Napoléon, il parle aussi de sexual transmutation. Il parle de traduire son énergie sexuelle. Donc, tu prends cette énergie, tu la traduis en quelque chose qui va te motiver à travailler. Maëva, laisse-moi ça. Quand je dis que l'adrénaline ne te fait rien, je n'ai même pas parlé parce que ça ne servira à rien. Je m'assure toujours que quand je commence, j'ai un objectif. J'aime avoir des objectifs pour la journée. Toujours. Genre, aujourd'hui, mon objectif, je dois payer tel truc. Je dois viser ça. Parce que quand tu as des objectifs, ça crée... C'est comme si dans ton énergie monétaire, dans l'argent que tu vas attirer, tu as des anges qui regardent. Elle a besoin de combien? Ah, 50 000. Bon, d'accord. Amenez-lui 20 000. Ça va. Amenez-lui 20 000. Elle a besoin. Oh, 5 millions. D'accord. Ok, action. 4 millions 5. La différence, c'était quoi? Une personne avait pour objectif 50 000. L'autre avait pour objectif 5 millions. Donc, ce sont vos objectifs. Olivia, la solution pour toi pour ne pas attendre la dernière minute. Moi, mon emploi de temps est tellement chargé que je n'arrive pas à attendre la dernière minute parce que j'ai toujours 50 projets sur lesquels je travaille en même temps. Donc, je ne me dis pas, ok, je finis d'abord avec ça, après je fais ça, après je fais ça. Non. Like, tac, 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 tac. Ok, je commence. Je fais comme, c'est comme de la mélodie dans la journée en fait. Din 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 din.
Ah, une autre personne y a ajouté ta part. You have to learn to juggle a lot of plates. Ça sont les mensonges qu'on vous dit par rapport à l'argent. Plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus, ça veut dire que tu dois gérer plusieurs choses. Je vous dis toujours que votre journée doit être divisée en plusieurs heures. 5 heures, peut-être 7h30. Tu as géré un business. 8 heures, 10 heures, tu as géré un autre business. 11 heures, 18 heures, tu as géré un autre business. Là, est-ce que vous savez que je suis en train de gérer un autre business comme ça? Vous savez que ça, je suis en train de gérer un autre business. Vous savez pas ce que j'ai fait dans la journée. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça que tu peux souvent voir une petite personne qui gère autant de choses. Mais comment est-ce qu'elle fait? Et l'art de bien déléguer. Délègue seulement bien. Paye les gens pour qu'ils fassent leur travail. Ne cherche pas à devenir le maçon, après tu es encore l'architecte, après tu es encore celui qui va pousser la brouette. Non. Même s'ils boivent un peu pour eux, laisse-les boire. Oui. C'est pour ça que tu dois aussi être généreux. Tu dois faire attention aux détails. En fait, il y a tellement de choses que j'ai appris dans le tas, tellement. Tout ce que je vous dis, je suis pas allé dans l'école à t'apprendre. Mais c'est parce que j'attaque, je lance un truc, je vois, je fais, je suis toujours comme ça là. I'm always doing something. Et écoutez ce que l'esprit vous dit. Beaucoup d'entre vous, l'esprit vous dit de commencer certaines choses, vous êtes tardé. L'esprit te dit, lance ça et ça. Mais non, tu sais, nona, nana, noni. Tu pars en ligne, tu vois quelqu'un de te. Quand tu es en train de voir sur TikTok, l'esprit te dit, lance ta part. Mais non, tu sais, j'attends d'abord. Je vais te. L'esprit ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui ne. Ton frère a eu l'AVC parce qu'il ne voulait pas déléguer. Il était chiche, je pense. Parce que quelqu'un qui ne veut pas déléguer parce qu'il veut garder tout pour lui seul. Oh, Amazon, moi je vois toujours le principe d'Amazon. Amazon t'aide à vendre ton produit ou bien il te vend ce que tu veux qu'il a pris ailleurs. C'est pas lui qui a la chose. Donc, le fabricant profite, Amazon profite. Le vendeur profite, Amazon profite. La fortune financière s'élargit en laissant d'autres personnes en profiter. Et pourquoi quelqu'un te vole en ayant déjà sa part? C'est assez difficile. Il faudrait que la personne soit assez malhonnête. C'est-à-dire, tu rentres dans un deal avec quelqu'un. Ok, ma chérie, si tu gères cette succursale et que dans la gestion, tu as tel pourcentage de ce qui sort de ce magasin, c'est bon. Donc, tu récoltes, tu me donnes 70%, tu prends 30%. Ça permet de gérer tout le reste. Moi, je te donne le stock, toi, tu gères juste. La personne connaît que quand les clients vont venir, la personne ne va pas dormir parce qu'elle connaît que mon pourcentage de salaire, c'est dans la poche de tel nombre de clients. Toi, de ton côté, tu es calme. Toi, de ton côté, ok, j'ai mis l'autre là sur pied, passons à autre chose. Regardez McDo, KFC, le nombre de Apple Store qu'il y a ici dehors. Vous pensez vraiment qu'ils sont en train de checker tous les stores qu'il y a? Ou Paris, ils ont checké, vous dites non. Non, j'ai pas de représentant au Sénégal. Tu as rendez-vous pour location de maison. Quand je dis l'esprit vous parle, vous avez sûrement une suggestion de business et vous hésitez. Quand vous dites que vous êtes stagné, c'est parce que généralement vous avez peur. Et je vous ai dit qu'il y a des principes financiers. Quand tu ouvres un business, ça tombe. C'est parce qu'il y a des choses spirituelles que tu n'as pas respectées. On vous dit la dîme. Quand j'ai vu quelqu'un qui paye la dîme, la personne n'a pas de la peine à payer ses taxes. Quand tu payes ta dîme déjà, c'est pas difficile de payer tes taxes, c'est pas difficile de payer tes employés. C'est fait que naturellement, tu n'as pas de pourcentage dans ton business, vient chez toi. Observez bien tout cela dont les business sont tombés. Observez, vous allez voir vos erreurs. Tu commences peut-être, tu ne fais pas d'offrande, tu ne fais rien, tu ne fais pas, prends pas de produits spirituels, peut-être pour venir bénir ton endroit, tu ne fais pas un petit salaka, tu dis que c'est au nom de cette succursale que tu as ouvert, rien du tout. Tu es là.
non, tu sais, on n'a même pas assez d'argent pour ouvrir. Comment est-ce qu'on peut se permettre de... Erreur. Erreur. Il y a des principes spirituels. Parfois, tu veux m'écrire, tu écris même un livre que tu veux sortir. Avant de sortir le livre-là, il y a des sacrifices que tu dois faire. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui ne souffrent jamais. Ils lancent 5 trucs en même temps, les 5 trucs marchent. Abraham, Genèse chapitre 13, versets 1 et 2. Allez lire la Bible. Abraham était riche. He was rich in cattle, in gold and silver. En troupeau, en or et en argent. Abraham était riche. Comment il faisait pour avoir plusieurs sources de revenus? Et la Bible dit plus tôt, Genèse 12, Dieu lui parle, il part, il met un hôtel. Quand je dis qu'il bâtit, il bâtit l'hôtel, il fait quoi? Il sacrifie un animal. Et on voit souvent, il rit. On vous parle, vous maîtrisez. Si tu as dépensé 5 millions pour ouvrir un business, tu penses que tu ne dois pas prendre 500 000 ou 1 million pour dire que tu vas aller mettre la partie spirituelle qui va apporter les clients dans ce business? Réfléchissez, s'il vous plaît. Think. Think. Ok. Bon, je ne vais pas dire les choses qu'on ne vous dit pas normalement sur les réseaux sociaux. Augustine dit, c'est vrai, il faut faire des sacrifices. Bon. Artistes, c'est pareil. Les artistes, c'est pareil. Tout ce que tu fais qui va toucher le public. Parce que quand tu lances la chanson, il ne faut pas seulement que tu lances la chanson, tu n'as pas d'argent qui te revient. Parce que tout ça, ça revient à l'argent après. Sosimé, je ne vais pas répondre à ta question. Tu as compris? Vous avez des questions qui n'ont pas très à voir, vous savez ce que je dis. Tami Cabran, j'ai des trucs que je vais faire, des offrandes que je vais faire, des offrandes, des sacrifices que je vais faire. Ceux qui ont besoin de papier, là, vous devriez vous joindre à cela. J'ai dit, pour cette dernière semaine, ce sera encore 50 000. Normalement, c'est 100 000 francs. À partir de là, vous me contactez la semaine prochaine, que offrande à l'eau, c'est 100 000. Je vous dis d'office. Bon. J'ai dit beaucoup de personnes qui envoient les papiers là. Bon, pour les consultations, le numéro c'est le 00-237-680-71-07-01. 680-71-07-01. Ok, le gars comme mystérieux, le garçon mystérieux, ok. Ça te rappelle à la raison, mais en pratique. Beaucoup d'entre vous, les grands hommes d'affaires, là, vous montez, vous oubliez cette base. La base t'attend, parce que quand tu vas monter, la base t'attend. Tu vas tomber encore, tu vas descendre. La stagnation dans le business, c'est pas compliqué. Tout ça, c'est spirituel. Si on paye pour la destinée de vie, ça rentre dans la consultation. Si tu payes pour la lecture de destinée, ça, c'est une consultation directe. Mais seulement, je vais plus profondément. Je lis ton énergie. Je rentre dans tes dons, ce que tu peux faire comme métier. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça suce trop d'énergie. C'est pour ça que je n'en fais pas trop. Parce que je dois entrer vraiment dans ton... C'est comme si j'entrais dans le tube qui constitue ta vie, en fait. Donc, 00-237-680-71-0701. L'école de spiritualité est payante, la blanche gloire. Arrête de chercher le gratuit. Arrête de chercher le gratuit sur ma page. Je viens de vous parler pendant 2 heures. Tu penses que ça ne t'a pas aidé? C'est payant. Si un jour tu te dis qu'un de mes services est gratuit, fuis. C'est que ce n'est pas moi. C'est que c'est un béninois qui a pris ma photo et l'a mise pour te parler. Je vends mes choses jusqu'à une blague pas. Jusqu'à une blague même pas. Mannequin bénévole, tu fais le bénévolat, et continue alors, tu vas faire le bénévolat, après tu vas encore aller travailler au McDo pour payer tes factures. Je ne suis pas bénévole, pardon, excusez ma vie. Voilà le seul bénévolat que j'ai fait, j'ai fait les vidéos comme ça. C'est tout. Voilà la seule chose chez moi qui n'est pas payante. Tout le reste là, vous payez. Et si on vous dit n'est pas payé, c'est que c'est un béninois qui a pris ma photo, il a mis
sur un truc et vous n'entendez vous parler, c'est que ce n'est pas moi. Parce que moi, je vais vous demander l'argent. Et quand vous demandez l'argent, je ne demande pas petit argent. Donc, préparez-vous déjà cash. Vous dites-moi. Oui, vous envoyez la, vous allez envoyer l'argent par rien. Généralement, fais l'offrande à l'eau avec le lavage, Maïva. Parce que c'est vraiment complet. L'offrande à l'eau, on entre dans ton aura. Il y a des choses que je fais que je ne peux pas vous expliquer ici-là. Parce que certaines personnes qui sont bien intentionnées me regardent. Je vous connais, on vous connaît. Ok. Donc, je rentre dans ton aura pour pouvoir... Il y en a qui sont envoûtés, ça les désenvoûte. Il y en a qui sont bloqués devant un mur, ça les enlève. Il y en a qui avaient des choses dans leur corps, ça sort. Il y en a que leur papier était bloqué depuis. Non, le lavage, c'est si jamais il y en a mis des trucs... Tiens, il y a des voiles sur toi. Parfois, tu te sens comme si tu es ou guidé ou bien téléguidé ou bien tu veux faire des trucs que tu n'arrives pas à faire. Vous voyez, faux trucs comme ça, là. Quand tu sais que tu n'es pas toi. Tu ne vis pas... Voilà. Il y a un monsieur qui m'a dit, je sais que je ne vis pas ma vie. Voilà. Ce genre de choses-là. Le lavage aide pour ça. Le lavage te restaure. Je travaille avec la Vierge Marie. Je travaille dans la pureté. Donc, si ça dérange quelqu'un que je mets la Vierge Marie dans mes choses, tant mieux pour lui. Il m'en fout. Voilà. Bonsoir Joël, merci pour les fleurs. Oh, tu m'as donné un bouquet de 60 roses. Oh, voilà les roses. Merci Joël. Ok, ceux qui veulent l'école de spiritualité, vous allez écrire, écrivez au 693 00237 693 50 22 66. Ne me mettez pas dans une case. J'ai dit seulement que je travaille avec la Vierge Marie. Ça ne veut pas dire que je suis où je suis ou je ne suis pas. Je travaille avec la Vierge Marie. Voilà. Vous aimez trop ça. Ne venez pas me forcer à mettre des cases ici là sur moi. La consultation normale, c'est-à-dire, on va prendre entre 4 jours et 20 jours pour te consulter. C'est 50 euros. 56 dollars américains, pas canadiens. Les Canadiens, là, ne m'envoient plus vos dollars. Les dollars des Canadiens sont trop petits. Oui. Je ne veux plus les dollars des Canadiens, c'est petit. D'accord. Maintenant, si c'est urgent que tu veux me parler, je rappelle qu'il y a des jours où je ne consulte absolument pas. Il y a des jours où l'esprit me fait, je ne parle à personne. Les filles, je dirais qu'on ne sait pas me coucher d'or. Donc, ça ne compte pas. Si tu vas dire que tu as payé la consultation de l'évêque pour me parler en 24 heures, sache que le jour-là, je n'ai même pas consulté. Il y a des jours, ça tombe dimanche. Si tu payes ta consultation samedi soir, je ne vais pas te consulter dimanche, je vais te consulter lundi. Donc, il y a ceux qui sont pressés, genre je vais te parler en 24 heures ou 48 heures ou 72 heures au max. Là, c'est 100 euros ou 110 dollars. Précisez bien dollars. Je ne veux pas les dollars américains. Je ne veux pas les dollars canadiens. Makan Kuli, les relations où tout est clair au départ sont les meilleures relations. Ceux qui m'écoutent, il y en a qui ont l'argent. Dans mon public, j'ai toutes les qualités. Il y en a qui n'ont pas l'argent, qui n'auront jamais. Parce que quand ils m'écoutent, ce que je dis là pour eux, c'est genre. Il y en a, vous m'écoutez, vous n'avez pas encore l'argent, mais vous aurez l'argent. Vous voyez un peu, non? Il y en a qui m'écoutent, qui ont déjà l'argent et qui auront encore plus. Il y en a qui m'écoutent, qui ont vachement l'argent et qui auront encore vachement, vachement. Donc, ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas l'argent et qui sont sceptiques, mais... Hasta la vista, baby. Ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas encore l'argent et qui auront, prends ton sel de 50 que tu as dans ta cuisine ce soir. Lave-toi avec. Demain matin, réveille-toi à 4, 5 heures. Pisse dans l'eau. Dans 3 litres d'eau. Mets le sel sur ça. Tu pries dessus, tu te laves avec. Tu fais ça pendant un mois, deux mois. Tu vas commencer à avoir l'argent. Maintenant, quand tu commences à avoir l'argent, viens acheter maintenant un de mes produits. Ça va te donner encore plus d'argent. Vous comprenez un peu? Je suis là pour rendre les gens riches et forts spirituellement. Je suis là pour vous débloquer. Zulaïka, tu es encore venu ici. Hein? Tu ris. Hey, yeah. Les meilleures relations. Quand tu vois un gars, tu dis que B, je veux coucher avec toi parce que je veux l'argent. Lui-même, s'il a l'argent à te donner, il dit que B, on va coucher ensemble, je vais te donner l'argent après. Quand vous partez à l'hôtel comme ça, là, quand vous finissez, il porte ton argent, il te donne.
pas le genre que tu calcules. Après, quand tu finis, il te donne même peut-être 20 euros. Hey, tout ça pour 20 euros, ma chérie. Au départ, tu ne lui as pas dit que paye-moi telle somme. Les meilleures relations sont les relations qu'au départ, on dit. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je peux te donner. Voilà ce que j'attends. Voilà ce qu'il va te donner. Voilà. Lavage au sel ce matin et soir. Oh, Lucky, merci. Lucky, tu es très jolie. Voilà, Blanche-Neige, tu m'as écouté depuis 3 mois. Tu as eu tes papiers. Ça, c'est super. Félicitations. En attendant que le sommet vienne encore, on danse un peu. L'école de spiritualité, c'est en ligne. Tout ça, ça se fait à distance. Bon, je vous passe plein de bisous. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que l'énergie que je viens de vous donner, l'univers le sait. Tout argent que vous allez avoir, vous savez quoi? Ça va retourner vers moi 100 fois. Que vous le voulez ou pas. Le jour où j'ai compris ça, quand il faut donner, je donne bien même. On peut m'asseoir ici et vous conseiller jusqu'à... Parce que c'est que, comme je t'ai dit, tu pars, tu as tes papiers, tu te maries, tu obtiens l'enfant, tout le récompense que tu obtiens dans ta vie. Même si tu ne viens jamais me dire que tes enseignements l'avaient permis que je crée mon truc et puis l'univers voit. Et l'univers est très juste. Il prend. Oh, les 5000 dollars qu'elle s'est fait cela, qui avait donné? Ah, c'est Jocelyne. D'accord. Mais vous savez quoi? Multiplions ça par 10, on lui envoie. 50 000 dollars dans mon compte dans les 3 jours. Parce que j'ai pris mon énergie, je t'ai donné. Et ça t'a enrichi. Vous comprenez maintenant? Le spirituel est merveilleux. Quand tu comprends le spirituel, est bellissima. Donc je vous bénis. Je vous envoie de l'énergie pure et positive. Que vous soyez visité cette nuit. Que je vous trouve dans vos chambres et dans vos rêves cette nuit. Qu'il y ait des délivrances. J'arrive. Vous allez me voir. J'enlève tout serpent qui vous a bloqué, qui bloque vos finances. Mettez la main sur le ventre. Tout serpent qui bloque vos finances, qui est dans votre ventre. Je vous ai parlé du thé de désenvoûtement là. Il y a un thé de désenvoûtement que vous devez boire. On vend ça. Paris, Libreville, Bruxelles, Douala, Abidjan. Prenez ce thé et buvez-le. Ou bien vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez 3 pincées de sel dedans, vous lisez le psaume 35 sur cette eau et vous buvez un peu chaque jour, genre un quart de verre chaque jour. Je déclare que tout serpent dans votre corps qui vous contrôle, qui met la paresse sur vous, qui met le découragement sur vous, toute glaire, tout asticot, tout ver de terre qu'il y a dans votre ventre, qui prend votre voix, tout animal qui se balade dans votre flux digestif, voilà, qui est là pour vous bloquer, pour vous faire stresser. Dans votre estomac, il met le stress, il fait les remontées acides, ça vous bloque, ça vous gêne. Je déclare qu'il sort cette nuit au nom de Jésus. Des cas qui se désintègrent. Toute masse qu'on a mis dans votre utérus pour vous empêcher d'avoir de l'argent ou encore d'être en relation. Tout animal spirituel maléfique qui est caché dans votre partie intime et qui s'attaque aux hommes qui viennent avec vous et qui veulent vous épouser. Qui s'attaque à ces hommes. Je déclare que ces entités se désintègrent cette nuit et vous libèrent. Ils libèrent votre corps au nom de Jésus. Amen.
tout animal négatif qui a été envoyé dans votre corps. Je vois beaucoup d'entre vous, la paresse que vous avez en fait, ce n'est même pas vous. Il y a quelque chose en vous qui vous donne le sommeil, la fatigue. Ça te fatigue carrément le corps. Je vous sors de tout environnement négatif qui vous influence. Le lavage, c'est 33 800. 33 800. Toute personne qui a décidé de vous opprimer, toute personne qui est venue planter son totem dans votre corps, tout sperme que vous avez eu pendant une relation sexuelle, il s'est déposé dans votre corps pour former des larves malsaines qui vous embêtent le ventre. Je commande que ça se désintègre cette nuit et ça sort au nom de Jésus. Tout oiseau noir qu'on a mis dans votre partie intime pour vous empêcher d'avoir de la prospérité, je commande qu'il sorte au nom de Jésus. Tout mal de ventre que vous avez pendant votre période, qui est envoyé par des mauvais esprits, par des mauvaises personnes, je vous en délivre au nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup de choses dans les corps des gens, beaucoup. Beaucoup. Vous devez prendre le thé de désenvoûtement, là, vous buvez. C'est disponible partout là où on vend nos choses. Prenez le thé, même à Yaoundé, il y a ça. Prenez le thé de désenvoûtement, vous buvez. C'est ça qui bloque tes papiers. Tu arrives quelque part comme ça, parfois ça a même les mauvaises odeurs sur toi. Tu arrives quelque part, tu sens mal. Tu ne sais même pas. Oui, on a ça à Libreville. Le thé, il y a pour 12 000, oui, 12 et 15 000. Il y a ça à Libreville aussi. Le numéro de Libreville, c'est le 0741. 0741. Ou bien 074 18 00 10 80. 074 18 00 80. Nadège, on boit ça comme le thé, non? Le thé, tu mets la poudre dans l'eau. Dans l'eau chaude, non? Après, tu bois, non? Oui, c'est disponible à Abidjan. Contactez le numéro du Cameroun pour Abidjan. Pour Dubaï. Il y a ça à Paris, à Dubaï. Si vous avez quelqu'un qui vient du Cameroun, on peut chercher à Douala, on vous envoie. Je viens enlever beaucoup de crachats. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de crachats, la glaire dans le ici. En fait, tu dois beaucoup parler, tu dois faire. Ce qui va te donner l'argent, c'est ta parole. Et ils ont fait ça pour bloquer ta bouche, en fait, pour bloquer ta voix. Je viens libérer ta voix, que tu parles, que tu arrives à t'exprimer. Tout blocage, enlève au nom de Jésus. Ok, mettez le doigt ci sur le front, entre les deux yeux, entre les deux sourcils, voilà. Toute personne qui contrôle votre esprit, qui vous décourage, qui enlève, qui fait que quand vous voulez faire quelque chose, vous vous retrouvez quelques secondes plus tard en train de penser à autre chose. Je viens enlever tout contrôle à distance sur votre esprit. Je restaure maintenant votre mental au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes connecté avec vos anges. Vous êtes connecté avec l'univers. Vous recevez le message. Et je déclare que quand vous recevez, vous obéissez. Je déclare la connexion entre vous, votre mental et vos guides au nom de Jésus. Entre vous et vos anges au nom de Jésus. Oui, il y a ça à Paris. Il y a ça à Paris. Contactez le numéro, vous demandez le numéro de Paris, on va vous donner. Donc 00237-680-711-0701. Pour l'école de spiritualité, c'est pareil. Vous dites, moi, je veux l'école de spiritualité. Bon. Oui, les crachats, ça, c'est des choses que... C'est des petits, tu vois, des petits, je sais pas, des petites larves qui sont sur l'œsophage, comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que vous abandonniez. Maintenant, je vois clairement une
quand tu es arrivé dans ton pays là, ils ont vu ton étoile. Au départ, quand tu viens d'arriver, tu voyais beaucoup, tu avais beaucoup de rêves où tu te vois en train de marcher avec les riches, les grands de pays. Et là, tu ne comprends pas comment, après 4 ans, tu n'as encore rien fait. Éternel, je viens libérer ta fille de toute prison, tout cercueil blanc dans lequel on l'a mis, toute personne qui a attaché ses pieds, toute personne qui a menotté tes pieds. Je vois carrément quelqu'un t'a menotté les pieds, que tu n'ailles pas loin. Je brise ces menottes au nom de Jésus. Je te sors de tous ces cercueils et de tout sarcophage. Tout environnement mystique dans lequel on t'a plongé, toute personne qui t'a attaché chez lui, pour que tu ne sortes pas pour prendre ta propre maison. Je vous sors de ces maisons au nom de Jésus. Toutes des maisons de manipulation. Quelqu'un essaie de s'inquiéter pour moi, vu qu'elle travaille comme ça, est-ce que je me repose? Le pointage est sucré. Je vous libère de l'esprit de tête. Oui, Nyanga, le caillou dans la gorge, c'est ça. Il faut boire beaucoup de thé. Bois beaucoup de thé là. Le thé de désenvoûtement là, je ne vais pas vous dire le nombre de témoignages que j'ai eu par rapport à ça. Parfois, il y a des choses que c'est dans ton corps, ça te frustre. Quand tu bois la fête, c'est comme si ça rentrait dans, ton corps, c'est mal. Moi, mon gars, il boit ça. Hein. Quand tu bois, alors ça jeûne, c'est le feu, c'est la chimamelu. J'ai une de mes filles qui m'écrit aujourd'hui, elle me dit que, hey, est-ce que tu sais que j'étais envoûtée? Je dis, hein? Elle dit, oui. Que le thé de désenvoûtement, là, ça m'a libérée jusqu'à... Moi, je ne savais pas. Parce qu'elle avait toujours. Elle s'est levée un peu, après un moment, elle-même encore fatigue, bizarre, elle retombe encore. Dès qu'il veut le logement plus grand, là, tu dois prendre le kit maison hantée, tu verses ça chez toi. Et tu leur commandes de te laisser partir. Tu commandes à ta maison de te laisser partir. Les entités qui sont dans la maison où tu es actuellement. Bon, mon sommeil est revenu. Hein. Mon sommeil est là. Sommeil. 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 Sommeil est là. Sommeil est là. Tu peux acheter ça pour tes parents, oui. Sommeil est revenu. Bon. On fait comme ça, non? Voilà, Bertine dit que le thé, là, ça lui a lavé le ventre. Il y a une qui a dit que ça a dégonflé. Voilà, mon ventre a beaucoup diminué. Ça, c'est les... J'ai eu beaucoup ce témoignage-là. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. Pour quitter le logement, il y a le verse le sel avec le jujube. Mais on a un kit de kit qu'on appelle kit maison hantée. Quand tu appelles, tu dis que tu veux le kit maison hantée. On te donne ça. Ça a dégonflé beaucoup de personnes. Le thé là, le thé de désenvoûtement. Beaucoup. Il y a une femme, elle me dit que son mari la trompait. Enfin, son mari avait un deuxième bureau. Il ne lui disait jamais combien il touche, rien du tout. Maintenant, comme elle lui fait généralement un petit thé chaque matin. J'espère que le mari là ne regardait pas. Elle a dit qu'elle met le thé là dans son, elle met ça dans son thé. Il boit ça jusqu'à il dit merci. Il fait ah. Mais maintenant B vient, il tend tout l'argent à la femme. Il dit B voilà l'argent que j'ai eu. Et avant même son oui ne se levait pas avec sa femme. Hein. Maintenant il fait ça jusqu'à il met l'aller-retour sur ça. Il tombe les manières mon frère. Le kit, c'est disponible au numéro 693 50 22 66. Donc 00237 693 50 22 66. Leila Optique, merci pour tes fleurs que tu m'as offert aujourd'hui. Tu es super gentil. Le numéro de Paris, c'est sur ma page Facebook. Mais si vous écrivez au numéro camerounais que j'ai en tête, que je viens de donner... On va vous le donner, ok? Ouais, tu aimes les choses comme ça, que donc il est faute sur Victor, que donc il écrase, et oui, il écrase. Ça s'appelle le thé de désenvoûtement. Le roi Denis, merci beaucoup. Je vous ai dit que sommeil est revenu. Sommeil est là. Ça n'est pas l'accueillir.
Bonsoir Linda, la reine Linda, merci. Si tu es au Gabon, le numéro c'est le 0741 80 080. 0741 80 080. Pour la Côte d'Ivoire, contactez-nous et puis on va vous donner le numéro. Je n'ai pas le numéro de la Côte d'Ivoire en tête. Mais même les gens qui ont été opérés de fibrome là. Il y a Bertine qui dit que le thé là c'est la chimamelu. Vous devez toujours avoir ça à la maison, c'est très important. Même les enfants, parfois vous leur donnez, ils boivent. C'est les petits démons qui les dérangent là. Femme enceinte. Mamie, je ne sais pas quel démon il peut avoir dans ton corps. Hein. Ça ne fait pas avorter normalement. Mais ça enlève tous les mauvais trucs dans le corps. Certaines personnes vomissent, certaines ont la glaire qui sort beaucoup. Certains font la diarrhée noire. C'est donc, je ne sais pas. Femme enceinte, ne prends pas, ne prends pas. Voilà, depuis qu'elle a commencé les bains de sel, elle a la force pour produire ses savons. Tu rien que quand tu veux qu'elle te dise quoi. Oui, si tu veux la consultation depuis Bruxelles, tu vas payer et puis on va te mettre dans la file d'attente. L'esprit d'endettement, c'est un esprit de main percée. Il faut que tu fasses le kit fondation. Ceux qui sont endettés, ça ne part pas. C'est un esprit qui est attaché sur toi. Donc tu dois prendre ce qu'on appelle le kit fondation. Kit fondation. Et tu fais aussi un lavage. Kit fondation va enlever des fondations négatives là. Côte d'Ivoire 00237 680 71 0701. Deuxième numéro 00237 693 50 22 66. Ok, pour la consultation tu envoies de l'argent par RIA ou MoneyGram, pas Western Union, RIA ou MoneyGram. Et puis si c'est une consultation normale qui se fera dans les 7, 8, 10, 20 jours, c'est 55 euros. C'est d'abord 50 euros, mais 55 euros. Parce que l'euro est un peu chuté là. L'euro, ça ne donne plus 33 800. Donc 55 euros. Et 56 dollars américains, je précise. Maintenant, si c'est en urgence, si tu veux qu'on te consulte dans les 48 heures, c'est 100 euros ou 110 dollars américains. Dans la consultation, vous écrivez au numéro 00237 680 71 0701. Ceux qui sont au Maghreb, cherchez une bouteille de vin rouge. Vous parlez à cette bouteille. Vous parlez aux ancêtres de la terre où vous êtes. Oui, on poste aussi en Suisse. Demandez leur bénédiction et vous leur demandez de vous ouvrir les portes pour que vous voyagez. Beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez dans les terres comme ça, là, vous êtes hostile. Vous comportez comme tout le monde. Vous n'honorez pas la terre où vous êtes. Bye. Bye bye. Laissez-moi pas dormir.